Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous suivre dans cette nouvelle émission de Libre Antenne consacrée à l'immobilier. Je suis en compagnie des experts de la maison d'expertise. Je me permets de vous les présenter, même si pour la plupart d'entre vous, vous les connaissez déjà. Yannick Zosim, bonsoir. Bonsoir. Diplômé du Conservatoire national des arts et métiers, spécialiste des techniques juridiques et économiques de l'immobilier. Je suis très content de vous avoir avec nous. Thierry Léopold, bonsoir. Bonsoir. Vous aussi, vous êtes diplômé du Conservatoire national des arts et métiers. Vous êtes un juriste spécialisé en droit immobilier et vous êtes également intervenant sur le campus et au Conservatoire national des arts et métiers. Okay. Merci d'être là. Merci. Vulcain Roméo, bonsoir. Bonsoir. Diplômé aussi du Conservatoire national des arts et métiers. Oui. Donc spécialiste des techniques juridiques et économiques de l'immobilier. Merci encore de partager avec nos téléspectateurs ce que vous savez. Bonsoir. François Zemmack, je vous ai fait passer en dernier parce que vous êtes le meilleur. Hein, vous savez très bien que vous êtes le meilleur. Donc, c'est très flatteur, ça. Un super spécialiste des techniques juridiques et économiques bonsoir de l'immobilier. Bonsoir à tous. Il est diplômé du Conservatoire national des arts et métiers. Et en tout cas, on est très heureux de l'avoir parmi nous ce soir. Merci. Très bien. Merci, messieurs. Professeur. Oui. Juste une question. J'ai lu, parce qu'il m'arrive que, vous savez, il m'arrive quand même de lire. J'ai lu qu'on va punir les copropriétaires lorsqu'ils ne sont pas à jour de leur charge. Alors, non, c'est un projet. C'est un projet. Alors, oui, c'est inscrit dans un projet qui a été mis en place par le 26 janvier de cette année. Une association qui s'appelle l'association Cali-SR, ouais, qui regroupe des organisations de professionnels de l'immobilier, des associations, notamment l'ARC des copropriétaires, des syndics qui ont cette certification Cali-SR et d'autres syndics et d'autres personnalités, ont mis en place une plateforme de 20 propositions pour prévenir les impayés en copropriété. D'accord. Alors, il y a trois axes qui ont été définis. Et parmi l'un de ces axes, qui est celui de prévenir les impayés de charges, on a une proposition, l'article 7, qui, veut restreindre cette possibilité pour un copropriétaire qui est condamné. Ah, condamné, d'accord. Pas forcément celui qui n'est pas à jour, mais celui qui a été condamné. Celui qui est condamné. Condamné parce qu'il ne payait pas ses charges. Qui ne payait pas ses charges. Oui. Un, de pouvoir se présenter comme membre du conseil syndical. Donc il lui est interdit d'être. Le projet, c'est de l'interdire d'être membre du conseil syndical. D'être membre du conseil syndical. Parce qu'il a été condamné pour non-paiement de charges. Voilà. Oui. Et aussi, également, cette personne peut pas non plus voter. Concernant la désignation du syndic. D'accord, ne pas voter à l'Assemblée générale pour désigner le syndic. Et donc les deux sanctions qui sont proposées par ce groupe-là. Deux sanctions, oui. D'accord, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Moi, je pense que cette proposition risque d'être retoquée. Pourquoi ? Parce que simplement, c'est pas parce que vous payez pas d'impôts que vous pouvez pas voter. Ouais. Alors pourquoi vous qui êtes condamné. Oui, vous êtes en difficulté. Donc, vous avez déjà en difficulté, on vous obligerait à avoir cette peine supplémentaire qui est celle de ne pas pouvoir exprimer un mécontentement ou pas par votre vote. D'accord. En Assemblée Générale. Très bien, d'accord. En tout cas, vous n'êtes pas d'accord. Bah après, bon, ce type de proposition-là, c'est quand même à la discrétion du juge. Oui. Si je pense que ce sera automatiquement appliqué, admettons que cette proposition-là passe, ce sera automatiquement appliqué, c'est-à-dire condamnation, interdiction. Ce sera peut-être un outil qui sera mis à la disposition du juge et qui pourra, en fonction de la situation, en fonction du type de copropriétaire et du profil du copropriétaire, prévoir que ce dernier n'aura pas la faculté de voter ou lui retirer une partie de ses droits dans la copropriété. Peut-être aussi la limiter dans le temps aussi, cette perte de droits. Mais François Zemmack, c'est une double peine, ça. Franchement, vous êtes condamné parce que vous ne payez pas, mais en plus, on vous dit, tu te tais. Mais moi, je ne vois pas l'intérêt. Franchement, je ne vois pas l'intérêt de cette disposition. Pourquoi ? Parce que, en général, pour trouver un copropriétaire pour faire partie de notre conseil syndical, c'est compliqué déjà. Oui, c'est compliqué. Déjà pour trouver des propriétaires, il faut des candidats. Je pense que celui qui ne peut pas s'échapper, qui est condamné,
qu'est-ce que ça peut lui faire de ne pas qu'on lui interdise de ne pas faire partie du membre conseil syndical. Donc, d'accord, on que va c'est prendre pas... l'avis de la seule femme qui se trouve sur le plateau. Des sensibilités différentes. Alors, Yannick Zosim, donc on peut pas. C'est affreux cette disposition, fait ce projet-là. Je ne paie pas, je suis condamné parce que j'ai pas payé. C'est vrai, c'est une double peine. Oui. C'est une double peine, mais bon, c'est. Je pense que c'est pour inciter aussi les copropriétaires à être en règle et oui. Faire les choses en fait dans toute l'égalité. D'accord. Est-ce qu'il faut espérer que ça ne passe pas du tout cette affaire-là? Je ne pense pas que ça servira à quelque chose. À quelque chose. Très bien. En tout cas, vous avez l'avis des spécialistes qui pensent que finalement. Mais ça risque d'être toqué peut-être par le Conseil constitutionnel. Par le Conseil constitutionnel. D'accord. Vulcain Roméo, nous avons eu l'occasion d'avoir une discussion avant cette émission de ce soir. Et vous me parliez du marché de l'immobilier. Vous me disiez que quelque part, on avait une demande très forte et puis une offre très rare. Ben en fait, alors. Pour l'instant, c'est un sentiment. Il n'y a aucune étude statistique qui a été réalisée sur ce point-là. Savoir effectivement s'il y a réellement une augmentation des valeurs vénales en matière d'immobilier, enfin en matière de vente de biens immobiliers. Mais on constate, enfin en discutant avec de nombreux professionnels sur la place, hein, qu'il y a une pénurie de biens, notamment de maisons individuelles en vente. Oui. Et une augmentation quand même significative des prix des biens. Je qui sont mis en vente. Voilà, qui sont mis en vente. D'accord. Autre, et il faut mettre ça quand même en parallèle, ou je ne sais pas, en lien avec notre problématique, c'est que voilà, celui qui veut aujourd'hui acheter une maison, il a deux possibilités, acheter dans l'ancien, avec, comme je vous dis, un prix au mètre carré qui tend à augmenter, ou acheter dans le neuf, c'est-à-dire acheter un terrain et faire construire. Et là, on a entendu à la radio assez récemment, les coûts de construction tendent aussi à augmenter. Donc, il y a quand même une situation qui commence voilà, à être un peu tendue et certaines alertes à niveau de cette situation. Quand même, il faut quand même la surveiller, quoi, voir s'il n'y a pas peut-être une crise sur le marché de l'immobilier qui est en train de... Voilà, oui. D'accord. En tout cas, à surveiller. D'accord. Voilà, c'est ça, oui. Alors, on va remercier Grégory parce que c'est lui qui assure le son et l'image. Merci Grégory d'être là. Alors, je vous rappelle que nous sommes dans la deuxième émission consacrée aux relations de voisinage. Puisque nous avions parlé déjà du bornage, messieurs. Oui. On a parlé également des plantations. Des plantations, des clôtures. Des clôtures, de la mitoyenneté. Également. D'accord. Et puis, à partir de ce soir, on va faire peut-être un petit rappel sur ce qu'on avait dit la fois dernière. Mais à partir de ce soir, on va vraiment, on va vraiment se lancer dans l'examen des troubles de voisinage. D'accord. C'est un petit peu ce qu'on m'avait donné. Oui, on avait parlé des habitudes de passage aussi. Alors, première question. Lorsque je suis propriétaire d'un terrain, quel est l'intérêt que j'ai à faire borner ce terrain? Qu'est-ce que je risque si mon terrain n'est pas borné? Parce qu'on en avait parlé la fois dernière, on avait parlé du bornage. Et on avait dit que le bornage n'était pas obligatoire, sauf si je suis dans un lotissement. Bon, on sort du cadre de lotissement. Ou dans le cadre d'acquisition de terrain à bâtir. Dans le cadre d'acquisition de terrain à bâtir ou dans un lotissement. D'accord? Puisque pas lotissement. Non, pas forcément. On n'est pas forcément dans un lotissement. D'accord. Alors, je veux que ce soit plus clair parce que ce n'est pas clair pour moi. Mais alors, il faut l'acquisition d'un terrain bâti. Je ne vais pas vous dire, je n'ai pas vraiment la base légale dessus. D'accord. Néanmoins, en discutant avec les notaires, en voyant en termes de pratique, puisque il faut savoir que le notaire a quand même une responsabilité qui est encourue, on va poser la question à celui qui va acheter, est-ce qu'il a un objectif ou non de construire cette parcelle-là. D'accord. Et du fait de cet objectif-là, si effectivement c'est un terrain qui a vocation à être bâti, il l'achète pour construire, notamment quand on constate dans le cadre de la promesse de vente, on va y intégrer notamment l'obtention du permis de construire, comme condition suspensive. Par exemple. Mais le bornage également sera une condition également de vente. Parce que celui qui va acheter, il faut qu'il puisse connaître les limites séparatives de son terrain. D'accord. Voilà. Donc ma question c'était, est-ce que ce bornage... Puisque le bornage va être réalisé par le vendeur dans un cas s'il est obligatoire. Voilà, c'est ça, oui. Donc c'est ça ma question, c'est ce que c'est dans tous les cas de figure, c'est-à-dire même hors lotissement, ce bornage est obligatoire, c'est ça ma question. Alors, rien n'oblige à deux voisins de terrain contigu à borner leur terrain. D'accord, mais je parle de l'acquisition d'un terrain à bâtir. Alors, avant d'arriver sur les questions de relations de voisinage, donc ma question c'est, lorsque j'achète un terrain à bâtir,
qui se trouve dans un lotissement, oui. D'après ce que j'ai pu comprendre, vous me dites que le bornage doit être réalisé. D'accord. Là, c'est obligatoire. Il y a un texte qui dit ça, voilà. Très bien. Mais dans alors, la pratique... Si c'est pas... Oui, d'accord. Non, pas dans la pratique. Non, mais la pratique est importante parce qu'aujourd'hui, celui qui nous écoute peut penser qu'il va vendre un terrain à bâtir, oui. Un terrain à quelqu'un qui a un souhait, un objectif de construction de ce terrain, oui. sans faire le plan de bornage, oui. et que ce soit possible. Or, aucun notaire aujourd'hui ne va permettre que la vente se produise sans qu'il y ait préalablement un plan de bornage. Et le bornage est lié en fait au terrain et non pas à la personne, à la propriété du terrain. D'accord. Donc, puisqu'on sait justement que ça marque en fait la limite séparative de deux propriétés contiguës. Donc, c'est lié à la propriété. Donc, vous pouvez effectivement changer de propriétaire et si vous n'êtes pas sûr de la limite, rien ne vous empêche de refaire faire un bornage. D'accord. J'insiste lourdement sur ma question. C'est la question de l'obligation de réaliser le bornage qui m'intéresse. D'accord ? J'ai vu que le professeur nous a regardé de travers quand on s'exprimait à l'instant. Oui, peut-être qu'il a une position différente. Parce que il me semble qu'on doit introduire la notion de descriptif. Oui. Au niveau des lotissements. C'est-à-dire que si le promoteur ou ce lotisseur met en place un descriptif au niveau de ce lotissement ou du cahier des charges, qu'il résulte ou non d'un bornage, ce descriptif prendra, me semble-t-il, le pas sur tout. Alors, je ne vous ai pas suivi, je ne vous ai pas bien compris, parce que je pensais à une autre réponse. Oui. Ça m'a un petit peu... Ça, je suis un petit peu interloqué. Mmh. C'est-à-dire que dans un lotissement, là-dessus, il n'y a pas de discussion. Mmh. Le bornage est obligatoire. C'est-à-dire celui qui vend... Il doit faire réaliser le bornage, d'accord. Mais il me semble que cette notion de descriptif, c'est-à-dire bornage non obligatoire, on va se compter d'un descriptif, on est hors lotissement. J'aurais bien aimé que vous nous puisque je vois que vous avez vos notes sous les yeux, j'aurais bien aimé que vous nous lisiez vos notes pour savoir si moi, j'ai tort ou j'ai raison, parce que je suis en contradiction avec nos experts. On n'est pas en contradiction, attention. On parle de pratique et puis de théorie. On est purement sur la théorie. Je voudrais d'abord qu'on soit clair sur la théorie avant d'arriver sur la pratique. D'accord. Alors, donc, on peut savoir. Au niveau des quelques notes que j'ai à donner, oui. Concernant les promesses de vente et les ventes de terrains dans lesquels un acquéreur exprime son intérêt de construire un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation. Alors, ils doivent contenir un descriptif du terrain et mentionner si ce descriptif provient ou non d'un bornage. Alors, lorsque Donc ça veut dire que, en clair, on s'arrête un petit moment. Mmh. Ça veut dire que le bornage n'est pas obligatoire. Puisqu'ils doivent contenir ou non un bornage, d'accord. Ça. Mais sous le lotissement, c'est quand même obligatoire. Je voudrais bien que vous continuiez votre lecture parce qu'il me semble que... Alors, effectivement, ça provient du Code de l'urbanisme, article L115-4. D'accord, vous allez nous en faire l'économie d'accord. Alors, oui. Lorsque le terrain est situé dans un lotissement, le descriptif doit résulter... D'un bornage. Donc le bornage est obligatoire dans le lotissement. Ce n'est pas le cas si on n'est pas dans un lotissement. Alors, on n'a pas dit le contraire. J'aurais aimé que les choses soient claires. Parce que imaginons que quelqu'un, la personne qui nous regarde, je suis propriétaire d'un terrain hors lotissement, je veux le vendre. Oui. Vous me dites qu'il n'y a aucune loi qui dit que je dois le borner. Aucune. Oui, alors il se peut. Alors maintenant, allons sur la pratique. Maintenant que le notaire, la pratique du notaire est différente, c'est ça. Dans la pratique. Oui. Ce que je vous explique, qu'effectivement, on peut vendre un terrain sans avoir de plan de bornage, sans qu'il soit borné. D'accord. Je n'ai jamais dit le contraire. D'accord. Qu'on écoute bien la lecture. Oui, du professeur. Du professeur, du collègue. Oui. Il dit bien que dans la promesse de vente, lorsque celui qui achète mentionne effectivement sa volonté de construire une maison d'habitation ou à usage mixte, il doit poser un descriptif. Il doit avoir un descriptif ou un plan de bornage. Oui. Ça, effectivement, ça c'est la lecture, mais dans la pratique, celui qui veut vendre justement dans ce cadre-là, devra fournir un plan de bornage. En vertu de quel texte ? Quel texte il est obligé de faire ? Parce qu'aujourd'hui, un descriptif, c'est quoi un descriptif ? Oui.
Alors dites-nous. Oui, bien sûr. C'est quoi les descriptifs? Oui. C'est quoi? C'est la route? C'est expliquer effectivement la localisation, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, en termes de responsabilité, oui. Je connais très peu de notaires, je connais pas en tout cas, de notaires qui seraient. De toute façon, un acte de vente d'un terrain devra passer devant le notaire qui va accepter de signer une vente sur un terrain à bâtir sans avoir dans son dossier un plan de bornage. D'accord. Alors, c'est ça que je vais expliquer. Voilà. C'est ça, je partage votre point de vue, c'est-à-dire qu'il y a la théorie puis Parce que le descriptif peut être toujours soumis à. Parce qu'effectivement, avant, la pratique était moins. Rigoureuse. D'accord. Effectivement, on voit des actes de vente dans lesquels est spécifié, où il n'y a pas forcément. Déjà, même à l'époque, il n'y avait même pas de référence cadastrale spécialement. Ouais. Il était spécifié, voilà, qu'il y avait l'immortel, il y avait. D'accord. Voilà. Non, derrière ma question, il y a une question de sous. Oui. Elle est sous-entendue. C'est-à-dire que, dans la mesure où moi qui suis vendeur, d'accord, je suis hors lotissement. Oui. Il n'y a aucun taxi immobilier à faire un bornage. La question, c'est s'il y a un bornage, qui c'est qui va payer? Oui. Donc, moi, je peux dire, je ne paie pas. D'accord. Je suis le vendeur. Donc, parce que derrière, c'est des questions de sous qui sont En termes de négociation, ça peut rentrer effectivement dans la négociation. Oui. D'accord. Oui, très bien. Je suis d'accord. Il y a pas d'accord. De au moins, on a rétabli les choses grâce aux professeurs qui nous ont remis dans l'ordre des jours. Mais quel est l'intérêt que j'ai à connaître les limites? Parce que le bornage, c'est la délimitation des. Voilà. Des limites de ma propriété, quel est l'intérêt que j'ai à avoir un terrain borné ou à borner mon terrain? Justement, même si je ne suis pas acheteur, je suis propriétaire d'un terrain, est-ce que j'ai intérêt à faire le bornage ou pas? C'est ça l'objet de l'émission de ce soir, c'est éviter les troubles de voisinage, éviter d'avoir un contentieux, un conflit avec son voisin, d'accord. Être sûr de la limite séparative de ses parents, les deux propriétaires. Je suis entièrement d'accord avec vous. Comme vous avez dit, c'est clair, on n'est pas obligé de borner un terrain hors lotissement. Oui. D'accord, d'accord. Donc, les voisins ne sont pas obligés de borner leur terrain. D'accord. Ils peuvent s'entendre, te dire voilà, c'est ma limite, c'est ta limite. D'accord. Ça s'arrête là. D'accord. Ça, c'est encore dans la théorie. Mais dans la pratique, ce n'est pas le cas. Ils bornent leur terrain. Pourquoi? Parce que si jamais, en cas de construction. Moi, c'est ce que je voulais savoir. Je veux savoir quel est l'intérêt que j'ai à le faire. L'intérêt, c'est qu'un voisin peut empiéter sur la limite, sur le terrain de l'autre, son voisin. D'accord. Donc, j'ai intérêt à connaître les limites de mon terrain pour ne pas éviter des empiétements. Voilà. Oui, d'accord. Sinon, je démolis la partie qui empiète le terrain du voisin. D'accord. Je sais pas si elle est démolie. Bon, voilà, ça c'est. D'accord. Oui, parce que vous démolissez, vous prenez votre fusil ou votre tracteur, vous démolissez, ça se fait pas. Non. D'accord. Je vais être condamné, effectivement. Oui, pour un empiétement. D'accord. Je peux aussi vouloir conçu en limite de propriété. Le règlement du matisse me permet de construire. Si je ne connais pas la limite, je ne pourrais pas construire. Ça, donc ça, c'est l'intérêt du bornage. C'est du bornage. Dans la mesure où je souhaite construire, j'ai des distances à respecter. Je connais les reculs, je connais mes distances, c'est ça. Ou bien je suis en limite. D'accord. Alors, qui c'est qui réalise le bornage en définitive? Est-ce que c'est obligatoire que le bornage soit réalisé? Encore une fois, rien n'interdit aux voisins de faire leur bornage, de définir leurs limites. D'accord. Mais dans la pratique, ils vont faire un procès verbal. Pratique, il vaut mieux faire appel à un géomètre expert. D'accord. Dans la pratique, il vaut mieux faire qui très bien son métier. C'est son métier, oui. Et comme vous dites tout à l'heure, il ne risque pas d'avoir de coup de fusil par rapport à ça. Donc, même quand un géomètre expert est là, on a parfois des problèmes quand même. Donc, ça se passe parfois pas trop bien. Donc, mais lui, il pourra effectuer le bornage. Rédiger un procès verbal et puis poser les bornes. Donc, il faut que ce soit amiable. Il faut que les deux parties soient. Voilà. D'accord, puisque bon, c'est contradictoire. Hein, bien sûr. Puisque le géomètre, il détermine les bornes physiquement, établit le procès verbal. Donc, il fait le procès verbal avant de poser les bornes. Quand même. Il n'y a pas posé les bornes sans avoir établi le procès verbal de bornage. Bien sûr. Qui est signé par les deux parties, c'est ça. Et avec après, les plans. Les voilà, c'est ça. Et si une des parties refuse de signer le procès verbal, on fait comment? On va faire entériner le bornage par le juge. C'est ça. D'accord. Ok. Et la fois dernière, vous avez parlé également de clôture. Donc j'ai borné mon terrain. La question, c'est je veux clore. Je fais ce que je veux, je mets des parpaings de 2 mètres de hauteur pour m'isoler du voisin, ou bien je fais ce que je veux, ou bien ces choses-là sont réglementées?
En fait, c'est vrai que c'est pas l'édification d'une clôture est libre. Oui, elle est libre. Sauf que le plan local d'urbanisme des villes détermine des caractéristiques d'un mur de clôture. D'accord. Donc on peut pas dépasser par exemple 1 mètre 60 centimètres et puis mettre un grillage. En fait, voilà, en fonction des différentes on va dire prescription des communes. Ouais. Il y a des modèles qui peuvent être imposés. Voilà, alors, où c'est que je vais chercher le modèle pour savoir quel est le modèle? Je veux clore. Où c'est que je veux chercher ma... Comment dire? Je veux ça. Comment je fais pour savoir? Mais en fait, il faut déposer... Vous consultez le PLU. Le PLU, oui. Le plan local d'urbanisme de la ville. Oui. Puis, l'édification d'une clôture est soumise à une déclaration préalable. D'accord. Donc, avant de l'avoir fait, il faut que je fasse une demande d'autorisation. Exactement. À la mairie. Ou si, effectivement, vous construisez, ça peut être compris dans le cadre du permis de construire. Là, elle parle du cadre du règlement du balai, mais aussi dans un lotissement. Oui. On peut avoir aussi, le cahier des charges peut prévoir certaines... Des modèles de... D'accord, de, donc ça, ça vient au-dessus du tout, quoi. C'est encore plus contraignant. Voilà, c'est ça, c'est encore plus contraignant. D'accord. Donc si je suis dans un lotissement, je ne fais pas ce que je vais en clôture, je regarde d'abord mon cahier des charges, et s'il n'y a rien dans le cahier des charges, je vais dans le plan local urbanisme. C'est ça. D'accord. S'il y a un plan local urbanisme. Il y a des communes qui n'ont pas de plan local urbanisme. Oui. Les exemples de communes qui n'ont, ici en Martinique, qui n'ont pas de plan local urbanisme. Diamant, Rivière-Pilote, Fonds-Saint-Denis, Sainte-Anne. Sainte-Anne. Mais ça fait beaucoup, parce qu'à l'époque, il n'y avait que Rivière-Pilote qui n'avait pas de plan. Non, Rivière-Pilote, c'est en train de justement. Alors, ce qui s'est passé en réalité, c'est qu'avant, il y a des communes qui étaient soumises au poste. Toutes les communes qui étaient soumises au poste, plan d'occupation des sols, c'est un document qui, en fait, ce document de planification de l'usage du sol, en fait, qui va vous dire. Ça, c'est un terrain agricole, ça, voilà, c'est un terrain constructif. Agricole, la hauteur, les choses comme ça, enfin, l'implantation de vos constructions, les choses comme ça. Les communes avaient des postes. Et ensuite, je crois que c'est la loi SRU, je crois, qui a poussé les communes à adopter un PLU. Pendant un certain nombre d'années, un certain nombre de communes en Martinique notamment, ont adopté le plan local d'urbanisme, qui est comme un poste, mais qui prend en compte encore d'autres prescriptions, enfin d'autres, voilà, d'autres réglementations. Ouais. Et puis, il y a eu, alors j'ai pas vraiment la date en tête, mais ça c'est récent, il y a peut-être 2-3 ans, il y avait une obligation effectivement pour les communes qui étaient soumises au poste de passer au plus, c'est-à-dire de faire voter un plan local d'urbanisme. Ouais. Et ces communes-là n'avaient pas fait ça dans ces délais-là, elles étaient soumises aux règles nationales d'urbanisme, en fait, qui est, c'est le code de l'urbanisme avec des dispositions spécifiques. Qui sont appliquées. D'accord. Et qui sont moins contraignantes que le plus ou pas? Voilà, alors qui sont généralement moins contraignantes. Mais il y a le fait du prince, c'est le maire qui voilà, décide. Voilà, c'est ça. Et puis, mais c'est, voilà, celui qui veut investir, celui qui veut vendre son terrain, il a un peu plus de difficultés à déterminer, ne serait-ce que voilà. L'expert immobilier, c'est notre métier. Ouais, par exemple, on est amené souvent à évaluer effectivement des terrains. C'est sûr qu'un terrain dans une commune soumise au plan local d'urbanisme, on consulte le plan local d'urbanisme, on connaît les restrictions, on connaît les dispositions d'urbanisme qui s'appliquent au terrain. On a une meilleure visibilité sur la valeur du terrain. Oui. Alors que ça, un terrain agricole, par exemple, n'a pas la même valeur qu'un terrain constructible. Oui. Voilà. Alors que dans le cadre d'une commune soumise aux règles nationales d'urbanisme, déjà, pour déterminer est-ce que le terrain est constructible ou pas, il faut savoir si c'est hors zone urbanisée ou en zone urbanisée. Déjà, pour avoir l'information par les mairies, c'est assez compliqué des fois. Oui. On n'a pas forcément l'information. Ensuite, on doit il y a quand même une certaine incertitude, on va dire. C'est plus compliqué sur la constructibilité et sur les contraintes liées à la parcelle. Très bien. Ça demande plus d'investigation, on va dire. Donc, juste une question de macrélage, là. Vraiment, c'est du macrélage. Et... Qu'est devenu Ducos là? Parce que Ducos n'a plus de plus. Alors, il y avait un plus, mais il n'y a plus. Ouais. Ducos est revenu au poste. On leur a autorisé, c'est-à-dire qu'ils avaient leur plus. Oui. Leur plus, effectivement, a été voté et tout. Et puis, il y a eu, alors je ne vais pas vous dire en termes de procédure, mais en tout cas, ça a été retoqué, voilà. Oui. Et derrière ça, en fait, ils sont revenus au poste qui était applicable avant le plus. D'accord. Donc, si je veux savoir si mon terrain est constructible à Ducos, il faut que je consulte le poste. Le poste. Qui existait à l'époque avant le plus. Avant le plus, voilà. D'accord. Le temps qu'ils se mettent en conformité avec les... Voilà. D'accord. Très bien. Vous nous aviez parlé la fois dernière de mitoyenneté. Je reste encore un peu sur l'urbanisme, parce que j'ai découvert ça ce matin, en faisant mon évaluation. Il faut savoir également que la commune du Robert a depuis, le 2 mars 2022,
approuver son plan local d'urbanisme. Donc, il faut quand même être assez vigilant dessus. D'accord. Mais comment vous faites, vous qui êtes expert immobilier, pour savoir si votre commune, la commune dans laquelle vous faites l'estimation, ils sont un peu... Alors, généralement, on consulte le site de la DEAL, mm-hmm. qui reprend en fait l'ensemble des communes, et qui marque, en fait, c'est le site qui est le plus à jour, hein, qui marque, en fait, quelle situation de la commune vis-à-vis notamment d'accord. de donc, vous avez les moyens de le savoir et vous le faites en toute sécurité pour vos clients. Voilà, c'est ça. D'accord. Et puis, si on veut avoir une confirmation, c'est on peut lui demander un certificat d'humanisme, ça peut arriver. Ça peut arriver avec tous les changements qu'il y a en ce moment, justement, cette année et compagnie, je peux faire appeler directement les mairies, comme ça, je sais s'ils sont... Voilà, directement, je les appelle carrément. S'ils sont revenus au poste, ils me le disent, voilà. Donc, il vaut mieux le faire comme ça. D'accord, très bien. Vous nous avez parlé la fois dernière de mitoyenneté. C'est quoi les problèmes posés par la mitoyenneté, alors? Donc, on va d'abord reprendre pour nos téléspectateurs ce qu'on entend par la mitoyenneté dans un premier temps, et puis après on verra quels sont les problèmes posés par la mitoyenneté. Alors, oui. Si on peut donner une définition de la mitoyenneté, je préfère la lire comme ça. Non, mais il n'y a pas de souci, professeur. Vous êtes là justement pour remettre les choses à leur place. Alors, par exemple, merci de votre présence. C'est moi qui vous remercie. Alors, on peut indiquer par exemple qu'un mur mitoyen est un mur qui sépare deux propriétés privées contiguës et qui appartient à deux propriétaires différents. D'accord. Chaque voisin est copropriétaire du mur. D'accord. Quand il est mitoyen, c'est-à-dire qu'il est à la limite des deux propriétés. Voilà. D'accord. Alors, il faut noter que ce mur peut séparer deux bâtiments, deux cours, de jardin, et c'est prévu au niveau du code civil. Le mur peut être totalement mitoyen, ou il peut également être mitoyen sur une partie et privatif sur l'autre. D'accord. Donc ce qui veut dire... Alors, juste une question à propos de ça, messieurs. Si je construis un mur en limite de propriété, c'est moi seul qui construis, est-ce que ce mur-là est considéré comme un mur mitoyen? C'est moi qui ai construit le mur avec mon argent. Je l'ai mis sous la limite. D'accord. Si vous construisez un mur en limite séparative, d'accord. Vous êtes sûr d'avoir construit, c'est ça? Oui, c'est moi qui ai payé mon mur. Vous êtes propriétaire du mur? Je suis propriétaire du mur. Il n'est pas mitoyen. Il vous appartient. D'accord. Il est privatif à ce moment-là. D'accord. Par contre, votre voisin peut demander à l'acquérir la mitoyenneté. Donc, acquérir la moitié de mon mur. Voilà, acquérir la moitié, c'est ça. Si on suppose qu'ils veulent construire, s'adosser à votre mur. C'est ça. Oui. Donc, il est obligé d'acquérir la mitoyenneté. Là, le mur devient mitoyen à ce moment-là. D'accord, mais il va me payer la moitié de mon mur. Si, il va vous payer non seulement la moitié du mur, mais aussi la moitié du sol sur lequel. Repose le mur. C'est ça. Il faut l'épaisseur du mur. Donc, j'ai intérêt à construire mon mur un peu en dedans de la limite. C'est-à-dire, il faut pour pas. Pour que vous appartiennent vraiment, oui. Il faut mieux. Pour que vous appartiennent vraiment. Environ 30 cm de la limite. Bon, si je ne veux pas qu'ils prennent la mitoyenneté de mon mur, donc je me mets hors à l'intérieur. En plus, si vous construisez en mitoyenneté, vaut mieux demander aussi l'accord du voisin. Bien sûr. D'accord. Donc la mitoyenneté, ce n'est pas quelque chose qui peut être intéressant. Il vaut mieux ne pas se trouver en mitoyenneté à quelqu'un. Ça dépend. Ça dépend. Moi, je ne le ferai pas parce que ça ne m'intéresse pas, mais il y a des gens qui pourraient faire parce qu'ils peuvent diviser déjà le mur, ils peuvent le mur à deux. Ils ne prennent pas en charge tout l'entretien du mur non plus, donc ça peut être intéressant pour certaines personnes. En tout cas, en centre-ville, ça va être difficile d'échapper à la mitoyenneté. Voilà, c'est ça, il y a des situations, on est obligé, la mitoyenneté ne peut pas être évitée. Ouais. Après, quand on a possibilité de l'éviter, il vaut mieux l'éviter parce qu'effectivement, les accords peuvent être très clair au départ, on a fait les murs, mais après, quand le mur se dégrade, eh bien, c'est un peu comme une copropriété. Il faut pouvoir prendre en charge ensemble les frais de réparation du mur. Oui, mais ça, je n'ai pas pensé, effectivement, si ça se dégrade. Voilà, c'est ça. Qui paye. Ouais. C'est les deux qui payent en même temps. Les deux qui payent. Les deux qui doivent payer. Qui doivent payer en même temps, voilà, c'est ça. Donc, bon. Et puis, si l'un des deux doit faire un rehaussement, donc ça peut... Moi, je vais faire un étage. Mais là, ce n'est pas un problème. Ce qu'on appelle l'exaucé, je fais un rehaussement, la partie plus haute m'appartient. Donc, ce n'est pas un problème. La partie devient privative. Non, ce que je voulais dire, si l'autre voisin... Oui. Qu'est-ce qui se passe? Le mur a été construit par un voisin qui il est privatif. Mais si l'autre, effectivement, décide
de faire un rehaussement. Donc il ne peut pas, donc il est obligé d'acquérir la mitoyenneté. Oui, pour pouvoir exaucer. Voilà, c'est ça, c'est ça que je dis. D'accord. Et qui c'est qui détermine le montant? Moi, je vais lui demander ce que je veux. Il veut exaucer mon mur pour pouvoir avoir un étage supplémentaire, je ne peux pas lui demander ce que je veux. Non, mais il y a... Non. Non, vous avez... C'est lui qui fait. J'ai l'impression que je dis des choses horribles. En fonction de ce qui... Bon, il n'est pas obligé de faire tout le mur, hein, d'accord. Il peut faire une partie du mur. En fonction de la partie du mur, on va calculer le montant qu'il doit payer. S'il fait un quart du mur, ce sera un quart plus... le quart du sol aussi, voilà. En fonction de ça, on va calculer. Ah d'accord, vous avez les moyens de dire combien coûte le mur et voilà, quelle est sa participation. Je croyais que je pouvais vous dire que mon mur, je l'ai conçu pour 20 000 euros. Non, ça ne se passe pas comme ça. Non, d'accord. C'est pas grave. Bon, ce sont des choses qui arrivent. D'accord. Quand même, c'est un point quand même, il faut savoir, ça peut être également sujet à discussion, sujet également à conflit. Bien sûr. Donc, il vaut mieux l'éviter. Vaut mieux l'éviter. Voilà. Ouais, il vaut mettre en retrait de la ligne, de la limite pour ne pas avoir ce genre de soucis-là. C'est ça. Très bien. Et les plantations, messieurs? J'ai clôturé ma propriété, j'ai borné ma propriété, j'ai clôturé. Je ne suis pas sous la limite, la ligne divisoire, enfin, je ne suis pas sous la limite séparative. Et je veux planter des arbres, justement, je vais agrémenter mon terrain. J'ai des distances à respecter pour planter. Oui, effectivement, il y a des distances à respecter. Déjà, la première question qu'il faudra se poser, c'est la taille de l'arbre. La taille de l'arbre. Voilà. Il faut savoir que si l'arbre fait plus de 2 mètres... D'accord, de quoi Sauf que quand on le plante, on ne sait pas s'il va faire 2 mètres ou pas. Mais voilà. Justement, la question c'est ça. Donc, il ne faut pas être de mauvaise foi non plus. Ouais. Si j'avais un cocotier, je plante un cocotier. Ouais. C'est très bien que le cocotier fera plus de 2 mètres. Ouais. On le sait, ça. Donc, ça sert à rien de planter à 30 cm de la clôture. Il y a des cocotiers nains, des cocotiers nains. Ils font 2 mètres quand même. Après, c'est votre problème après. Vous l'avez planté, effectivement. Vous savez que c'est un arbre qui va faire 3 mètres, vous l'avez planté à 50 cm de la clôture. Ah ben, vous avez le cas. Effectivement, tant qu'il va faire 2 mètres, vous serez dans la légalité. Et puis quand il va atteindre une hauteur, il va commencer à avoir des fruits, vous êtes dans une obligation d'élagage, par exemple. De l'élaguer. De couper les racines. Par rapport aux racines, ça va. Alors attendez, messieurs les experts, vous allez trop vite pour moi, et puis vous ne répondez pas à ma question. Vous m'avez parlé de la taille de l'arbre. De la taille de l'arbre, c'était la hauteur. Oui, la hauteur. Moi, j'ai pensé à la circonférence. Non, la hauteur. La hauteur, c'est quoi les tailles? C'est-à-dire que si l'arbre fait plus de 2 mètres, 2 mètres et plus. Il fera plus de 2 mètres plus tard. Oui. Bon, en fait, il ne le fait pas peut-être aujourd'hui, mais il le fera certainement plus tard. Donc il faut construire à 2 mètres de la clôture. Voilà. D'accord. Donc si l'arbre fait 2 mètres. Si l'arbre fait 2 mètres, oui, il va faire 2 mètres. 2 mètres et plus, bien entendu. Voilà. Oui, bien sûr. Au moins 2 mètres. Donc, il faut que je le plante à au moins 2 mètres. À 2 mètres de la limite séparative. Ok. Et s'il ne fait pas 2 mètres? On est à 50 cm de la clôture. 50 cm de la clôture. Moins de 2 mètres, c'est ça. Moins de 2 mètres, 50 cm de la clôture. C'est ça. D'accord. Et si j'ai des branches de mon arbre qui tombent chez le voisin, est-ce qu'il peut les tailler? Qui? Vous? Oui. Qui va les tailler? J'ai planté mon arbre et puis il y a des branches qui tombent chez le voisin. Il ne faut pas le tailler. Il vous demande l'autorisation de tailler ou vous demande de le faire? De le faire. Et si je ne le fais pas? Mais il faut aller au juge. C'est ça. Au juge. Il ne peut pas le faire lui-même. D'accord. Par contre, si les racines de votre arbre atterrissent chez lui, il peut les couper. Il peut les couper. D'accord. Donc à ce moment, il détruit mon arbre. Voilà. Très bien. Ok, donc les feuilles, il n'y a pas de souci, c'est moi, et puis les racines, il peut intervenir. Et s'il y a des fruits, il peut les prendre ou pas? Non, s'ils sont tombés, oui. C'est s'ils tombent, oui. D'accord, et s'ils sont dans l'arbre, il ne peut pas les prendre. Bon, s'ils arrivent, même s'ils sont à portée de main, non, il n'y a pas de droit. Bon, c'est affreux ça. On a la vie à portée de main, on ne peut même pas l'accueillir. D'accord. Alors, je pense qu'on a fait à peu près, je ne sais pas si vous avez autre chose à dire, on a fait le tour de ce qu'on avait vu la fois dernière ou pas? Ou bien j'ai oublié des choses. Non, on a fait le tour. J'ai peut-être pas parlé des servitudes. On n'a pas encore fait les servitudes. On n'avait pas parlé des servitudes. On n'a pas fait encore, non. D'accord. Alors, professeur, est-ce qu'on peut avoir une définition de la notion de servitude? Et puis, est-ce qu'on peut, dans les grandes lignes, savoir de quelle servitude dont il s'agit? Comme quand on est dans les relations de voisinage. Alors, on va parler de... La définition d'abord de la servitude. C'est quoi la servitude? La définition de la servitude. Oui. Alors, si on peut donner une définition de la servitude, c'est... Alors... Excusez... Alors,
Oui, c'est bien ça, on vous écoute. Alors, donc c'est une contrainte, c'est ça? Alors c'est une contrainte en principe. Oui. Alors, alors c'est une contrainte. Une définition de la servitude, on ne peut pas avoir une contrainte d'un fonds. Alors c'est alors, la servitude, c'est une contrainte que supporte. Oui. Une propriété. Oui. Alors, j'ai pas la définition en tête, la définition légale, enfin... Oui, c'est pas grave, le professeur va nous la donner dans un petit instant. Voilà, donc voilà, c'est, comment dirais-je, une contrainte que supporte une propriété au bénéfice d'une autre propriété. D'accord. On distingue deux types, on parle de fonds servants et fonds dominants. D'accord, exemple de servitude. Il y a des servitudes de passage, servitudes de vue. De jour. Servitudes de jour. Découlement des eaux. Découlement des eaux, effectivement, voilà, c'est ça. Servitude de surplomb. D'accord. Alors, sous la servitude de passage, la contrainte, elle est où? Parce que vous m'avez dit que c'est une contrainte qui est imposée à un fonds. Oui. Au bénéfice d'un autre fonds. C'est ça, exactement. D'accord. Donc, qui c'est qui subit la contrainte et qui c'est qui bénéficie de la servitude? Alors, celui qui subit la contrainte, c'est ce qu'on appelle le fonds servant, d'accord? Oui. Et celui qui en bénéficie, c'est le fonds dominant. D'accord. C'est-à-dire que le fonds servant doit laisser un passage au fonds dominant. D'accord. Au terrain du fonds. Du fonds, d'accord. D'accord. Donc, s'il est enclavé. Pourquoi, pourquoi? Parce que son terrain est enclavé. On dit enclavé, ça veut dire que son terrain, qu'il ne peut pas accéder à la route à partir de son terrain. D'accord. Donc il n'a aucun accès sur la route. On considère qu'il est enclavé, pas d'accès sur la route. D'accord. Donc il a un droit de passage obligatoire. D'accord. D'accord. Donc là, si je suis devant, je dois lui céder un passage. Donc il a une servitude, donc c'est une contrainte qui est imposée sur mon terrain à son profit. D'accord. C'est ça. Est-ce que. Comment dirais-je, comment ça se définit parce que c'est quelle longueur, quelle largeur et comment ça fonctionne, c'est-à-dire est-ce qu'il me paye pour que je lui cède le passage? Alors, en fait, c'est il paye une indemnité. Bon, effectivement, vous lui accordez un droit de passage sur mon terrain, sur votre terrain, et en contrepartie d'une indemnité qui peut être payée soit d'un coup ou soit en plusieurs fois. Voilà. D'accord. Et ça se calcule comment ça? Vous avez un mode de calcul précis imposé. Ce qu'il faut savoir pour le calcul de l'indemnité, avant de parler de calcul de l'indemnité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de base légale. D'accord. Il n'y a pas de base légale pour un calcul d'indemnité. Pour le calcul, d'accord. Donc, ce n'est réglementé nulle part. Donc, voilà. D'accord. Donc, aucune base légale. D'accord. Donc, c'est la jurisprudence un peu qui... Même dans la jurisprudence, on ne trouve, trouve pas de base non plus. D'accord. La jurisprudence, chacun fait un peu comme il veut. D'accord. Mais quand vous dites la jurisprudence... Ah, c'est les décisions des tribunaux. L'ensemble des décisions des tribunaux. Ce sont les tribunaux qui décident. Comme on dit, à deal d'expert. Exactement. D'accord. Donc, même au niveau de la jurisprudence, on n'a pas forcément de consensus pour le calcul. Ouais. Donc, en général, le calcul, c'est la surface du terrain multiplié par la valeur vénale, le mètre carré du terrain, et sur laquelle on donne une décote. On donne une décote ou ça peut être coefficient de pondération. Donc c'est comme ça que vous, experts, vous calculez. On calcule. D'accord. Oui. À peu près. C'est ça en général. Et puis sans compter le préjudice. C'est ça. Oui. Voilà, c'est ça. Le préjudice, par exemple. Donc, parce que s'il y a des arbres qui sont. C'est le préjudice. La décote, le préjudice fait partie. Bon, j'ai mon terrain. La fréquence de passage, par exemple, ça peut être le préjudice, par exemple. Oui. Les arbres qui ont été coupés, le terrain. Le fait d'avoir passé des canalisations, c'est un préjudice également. Donc, voilà. Donc, tout ça englobe. La décote englobe tout ça. D'accord. Donc, je suis indemnisé du préjudice que je suis. En tout cas, faut jamais dire que le prix de l'indemnité, c'est la valeur finale du terrain. Le prix du terrain, c'est impossible. D'accord. Et qui c'est qui répare tout ça si ça se détériore? Mais c'est celui qui bénéficie de la servitude. Sauf, bien sûr, si celui qui subit la servitude en profite. S'il en profite, donc ce sont les deux qui entretiennent et qui répandent. Donc il vaut mieux qu'il y ait une convention entre les parties pour la gestion, l'entretien de la servitude. Exactement. Pour ne pas laisser les choses comme ça dans l'état, pour ne pas avoir des difficultés. Exactement. D'accord. Il arrive aussi que certains propriétaires qui sont du fonds servant
décide, par exemple, de mettre des barrières. Oui, c'est ce que j'allais dire. De mettre des barrières, de clôturer. Ouais, le fonds servant, c'est celui qui a cède le passage. D'accord. Donc, je mets une clôture, une barrière. Ils peuvent le faire, sauf que il faut qu'ils en donnent, qu'ils donnent par exemple l'utilisation et qu'ils donnent la possibilité au fonds dominant d'utiliser, donc d'avoir accès en fait à la servitude par une clé, télécommande, etc. D'accord. Voilà, donc je n'ai pas le droit de fermer la servitude, sauf bien entendu si j'autorise le voisin à l'utiliser. Quoi. C'est ça. D'accord. Ce qu'il faut préciser aussi, parce qu'on a dit tout à l'heure que la servitude est obligatoire. Le droit de passage est obligatoire pour le fonds dominant, pour le fonds celui dominant. Celui qui est enclavé, Par contre, si c'est lui qui a l'origine de l'enclavement, il n'a pas droit à ce n'est plus obligatoire. D'accord. Alors, donnez-moi un exemple. Je ne sais pas si il est propriétaire d'un terrain, d'accord, de deux terrains par exemple, et il construit sur le terrain qui permet de passage. Et là, ça l'empêche de passer. Il demande à son voisin un droit de passage. D'accord. C'est donc lui qui a pris l'enclavement. C'est lui qui a pris l'enclavement, donc il n'a pas le droit, le propriétaire peut lui dire non. D'accord. Deuxième cas aussi, lorsqu'il y a une convention entre les propriétaires, une convention de droit de passage, l'obligation n'est plus valable non plus. C'est-à-dire que je signe une convention, je demande à un propriétaire de un droit de passage, ça peut être temporaire ou permanent, un droit de passage, donc je n'ai plus le droit de lui demander le droit de passage par rapport à la servitude de l'article 682. D'accord. L'obligation n'est plus valable à ce moment-là. J'ai déjà signé un droit de passage conventionnel. Il faut préciser que la servitude a deux origines. On parle de servitude légale ou de servitude conventionnelle. C'est ça. D'accord. Donc, par exemple, j'ai deux parcelles. Je peux effectivement, dès le départ, prévoir qu'il y a une servitude de passage qui permet l'accès à la parcelle qui serait enclavée de fait de cette division-là. Dans ce cadre-là, cette servitude-là, qui est un droit réel, sera intégrée dans la vente, dans l'acte de vente. Oui. Et on parle de servitude conventionnelle, c'est-à-dire que tous ceux qui vont vendre la parcelle par la suite, ils vont bénéficier de cette servitude-là. D'accord. Alors, C'est conventionnel. Très bien, Mais en l'absence de convention, on tombe dans le régime de la servitude légale. C'est la loi qui va donner effectivement ce droit de passage-là, qui va permettre à celui qui est enclavé de bénéficier d'un droit de passage sur un terrain voisin. D'accord. La convention, ce n'est pas forcément en cas de vente, attention. La convention, oui, elle peut être ça. C'est pas une convention avec mon propriétaire entre nous. Hein. On se met d'accord entre nous. Je dois passer parce que j'ai des travaux à faire, le camion doit passer sur ton terrain, laisse-moi passer. Oui. Là, il y a une convention de droit de passage temporaire, par exemple. Ça peut durer. Ça peut être ça. D'accord. Mais il faut qu'elle soit enregistrée quand même, cette convention. La convention doit être enregistrée. Oui, pour qu'elle soit. Donc, vous passez par un notaire. Voilà, vous mettez passer par un notaire. Voilà. Établir la convention, la servitude par le biais d'un notaire. Voilà. D'accord. Et puis, vous m'avez parlé des vues et des jours. Mm-hmm. Vous avez parlé de servitude de vue, servitude de jour. C'est qui ça? C'est quoi ça? En fait, Parce que je regarde les notes que vous m'avez transmises. Oui, oui. Servitude de vue, en fait, c'est un aménagement qui permet de voir chez le voisin. D'accord. Donc, ça peut être une terrasse, un balcon, une fenêtre. Oui. Et voilà. Et il y a des distances, en fait, que vous devez respecter, justement, qui sont imposées pour épouser. Voilà. D'accord. Ouais. Très bien. Donc, ça veut dire que si je pratique une ouverture, ou bien si je fais un aménagement qui me permettrait de voir chez le voisin, il faut que je respecte une distance à ce moment-là, il n'y aura pas de difficulté. Tout à fait. Très bien. Est-ce que quelle différence qu'on fait entre les vues et les jours? Oui. En fait, c'est le jour, c'est une ça c'est peut être un châssis fixe ou je sais pas une fenêtre, enfin pas une fenêtre, une menuiserie translucide qui laisse passer en fait le jour. D'accord. Voilà. Donc, vous ne voyez pas chez le voisin. Vous ne voyez pas chez le voisin. En fait, D'accord. c'est ça. C'est le ce qui détermine, en fait, le jour. C'est une ouverture qui permet de laisser passer la lumière. De laisser passer, voilà. Et pas le regard. Et pas, voilà. D'accord. Et en fait, ce qui détermine la servitude de jour, et par rapport, en fait, à la vue, c'est le degré, en fait, de. En fait, de. Comment dire ça?
Comment je peux dire ça? Mais j'aime bien sa formule qui laisse passer la lumière par le regard. J'adore cette formule. Voilà, c'est ça. Et techniquement, ça comporte un châssis qui ne s'ouvre pas. Ça ne s'ouvre pas, d'accord. Voilà. C'est-à-dire que si je mets des jalousies martiniquaises, entre guillemets, ça, c'est pas un jour. Non, c'est d'accord. Parce que vous aurez la vue, vous aurez chez la possibilité l'autre. De voir oui, chez l'autre. D'accord. Mais il vaut mieux prendre des briques de verre. Par exemple, celles qui ont un caractère plus ou moins... C'est fixe. Ouais. Et déjà, ça évite pour certaines d'avoir la possibilité d'avoir la vue. D'accord. Donc, ça me permet d'être... de pratiquer une ouverture 5 jours sans respecter les fameuses distances dont on a parlé tout à l'heure. Non, un 90, 60 cm, un 90 d'accord, pour la vue. Droite et 60 cm oblique. La vue oblique, d'accord. Donc alors, le jour, il n'y a pas de distance. Si. Pour le jour, il n'y a pas de distance, mais quand vous êtes au rez-de-chaussée, il y a une hauteur, pas de distance. De 60 et 90 à l'étage. C'est au minimum à 2,60 et puis du rez-de-chaussée. Et 1m90 à l'étage. Alors par contre, l'ouverture n'est pas limitée. Alors il faut que ce soit en hauteur de 1m60 quand je suis au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, 1m90 quand je suis à l'étage. D'accord, ok, très bien. D'accord, mais je ne suis pas à la distance. Non, il n'y a pas de distance par rapport à l'autre. D'accord. Et la servitude de surplomb, puisque j'ai vu ça dans les notes que m'avait transmis, c'est quoi la servitude de surplomb? C'est la loi climat de 22 août 2021 qui crée cette servitude pour l'isolation thermique extérieure d'un bâtiment. D'accord. Voilà. Ça ne concerne pas ça. Il n'est pas encore en vigueur, je pense. Non, en plus, il n'est pas en vigueur. Mais le fameux tour d'échelle, ça s'applique chez nous quand même. Si, ça s'applique chez nous, le tour d'échelle. Oui, elle s'applique. Donc, c'est votre possibilité de pouvoir réaliser, par exemple, vous avez un ravalement de façade ou de la peinture à faire et vous allez vous demander à votre voisin d'avoir la possibilité d'accéder par chez lui pour pouvoir réaliser des travaux. Donc, vous pouvez appuyer l'échelle sur son... Sur son immeuble. C'est la contrainte. Et si ça ne passe pas, on voit le juge. D'accord. Ok. D'accord. On a fait le tour sur les servitudes. Alors, la vue, le jour, oui. Et on ne précise pas assez que les personnes qui subissent les servitudes sont propriétaires du terrain, mais aussi payent les taxes foncières là-dessus. Parce que beaucoup pensent que c'est parce qu'il y a une servitude, ils sont pas la personne qui utilise cette servitude doit s'acquitter à leur place de la taxe foncière, puisque j'ai eu cette question qui m'a été posée. Mmh. Quand vous êtes grevé par cette servitude, c'est à vous de payer la taxe foncière qui y est rattachée. Ah, c'est le foncier avant qui paie la taxe foncière, c'est ça. Oui, il est propriétaire du terrain. Le fonds dominant social de la servitude, certes, mais il n'y a pas le transfert de propriété. Donc c'est pour ça que la taxe foncière reste au nom du propriétaire du foncier avant. D'accord. C'est pour ça qu'il y a aussi des débats pour le calcul de la valeur du terrain. Les propriétaires du foncier avant calculaient au niveau du prix moyen, du prix, la valeur vénale. Alors qu'il n'y avait aucun transfert de propriété. Donc on est obligé de mettre une décote. Voilà, c'est pour ça qu'on met la décote. Très bien, d'accord. Et quand je pense qu'en pratique, les gens n'ont pas tous ces détails-là, non. Et je ne sais pas, moi, je serais propriétaire d'un terrain, mais dessous les passés, il faudrait au bas moins en emmener, c'est tout. Non. Mais c'est beaucoup plus réglementé que ça. Oui, c'est réglementé. C'est beaucoup plus réglementé. Oui, quand même. Très bien. Et beaucoup de gens, il y a eu le cas, je crois qu'on avait cité ça, de personnes qui ne lisent pas assez leur titre de propriété pour se rendre compte des servitudes qui peuvent... c'est pas parce que votre voisin a l'habitude de vous laisser passer pendant 3, 4, 5 mois, 6 mois, etc., qu'il y a forcément une servitude de passage qui existe. Ça a été le cas d'une personne. Et qui découvre que finalement, le voisin qui la poussait
à faire un procès à cette personne qui avait construit au niveau de la servitude. Mmh. C'est lui qui devait, en principe, supporter cette servitude de passage et la laisser passer. D'accord. Donc, on ne le répète pas, ce ne sera jamais assez. Lisez, il est important, vos titres de propriété, c'est inscrit dedans. Donc, ce sont des questions délicates, mais c'est, c'est pour ça qu'il faut faire intervenir le juge. Lui, il va décider vraiment de quel trajet sera le mieux. En général, c'est le trajet le plus court. Hein. Le trajet le plus court. Le plus court en général, sauf s'il y a des obstacles et ils vont endommager la propriété du fonds servant. Sinon, c'est le trajet le plus court. D'accord. Donc, le juge pourra décider de quel trajet sera le mieux pour le fonds dominant et le fonds servant. OK. Messieurs, je vous propose qu'on fasse une pause. OK. Et à notre retour, on parlera des troubles de voisinage, hein, parce que c'est l'objet du jour, puisqu'on a fait un peu de remake sur ce qu'on avait fait la fois dernière, en ajoutant les servitudes, mais on se revoit dans quelques instants et on parlera des troubles de voisinage, c'est-à-dire du bruit, des odeurs, de la construction, etc. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ok.
Bonsoir, rebonsoir. Nous sommes toujours en compagnie des experts de la Maison de l'Expertise dans cette émission de Libre Antenne consacrée à l'immobilier. Et nous allons parler maintenant avec nos experts des troubles de voisinage. Vous savez que la vie en société impose à chacun de supporter les inconvénients de voisinage, mais lorsqu'ils deviennent anormaux, c'est là que ça pose problème. Donc, la première question que je vais poser à vous, notre professeur, comment fait-on pour dire qu'un trouble de voisinage est normal ou bien il est anormal? Comment on fait pour caractériser la normalité d'un trouble de voisinage? Et d'ailleurs, qui c'est qui prononce la normalité du trouble de voisinage? Alors, effectivement, comme vous l'avez dit, la vie en collectivité peut avoir un certain nombre d'inconvénients. Ouais. Alors, les comportements deviennent anormaux. Oui. Alors, dès que les comportements deviennent anormaux, c'est-à-dire que quelqu'un fait du bruit, quelqu'un répand des odeurs, quelqu'un fait... Donc, la responsabilité de leur auteur peut être engagée et on peut obtenir ce qu'on appelle une réparation. Alors, d'accord. Alors, donc, dans ces conditions, on considère que le trouble est anormal, d'accord ? Et c'est pour ça qu'on demande une réparation du préjudice. On est d'accord, professeur, puisque oui, c'est, je vois que vous êtes en train de dire en notre. En voilà. Pour un peu préciser. Et il va dépendre aussi. Tout dépendre aussi des lieux et des circonstances. Qu'est-ce qui va dépendre des lieux et des circonstances? L'activité que vous allez mener. Ouais. Donc, si vous, par exemple, vous êtes à proximité d'un hôpital et puis vous décidez de par exemple d'ouvrir à fond de klaxonner ou d'ouvrir à fond votre autoradio, c'est ça pas un lieu profit puisse pour pouvoir faire ça. D'accord. Mais c'est pas ce que je veux savoir. Mais dès qu'on porte atteinte en fait à la santé, oui, à la sécurité, à la, oui, tranquillité du voisin, c'est un trouble anormal. C'est un trouble anormal de voisinage. Donc c'est un trouble qui porte atteinte à la santé, à la sécurité, machin. Voilà. Mais qui c'est? Mais qui... alors, oui, ce que je veux dire, moi, en fait, la nuance est très compliquée pour trouble anormal, trouble normal. Voisinage. C'est plus le juge qui va apprécier les faits. D'accord. D'accord. C'est lui qui va décider si c'est un trouble anormal ou normal. Ou pas. D'accord. Et lui, il est souverain dans sa décision. Dans sa décision, il sera souverain dans sa décision. Donc, il peut considérer que dans un cas de figure, c'est un trouble normal. Voilà, et puis, dans un autre cas de figure, pour le même inconvénient, il va trouver un trouble anormal. C'est un trouble anormal, exactement. D'accord. Donc, la nuance, c'est la frontière. En réalité, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas de définition légale du trouble anormal de voisinage. D'accord. Quand vous dites qu'il n'y a pas de définition légale, vous êtes en train de nous dire... C'est-à-dire que pour définir c'est quoi un trouble anormal de voisinage... Vous allez trop vite pour moi. Attendez. Quand vous dites que c'est des définitions légales, c'est je à pense dire... que vous êtes en train de nous dire que la loi... Légal loi. Donc, exactement. J'aurais aimé que ce soit dit comme ça. Que la loi ne la loi pas, n'a pas spécifié, voilà, ça c'est un trouble anormal de voisinage. D'accord. Ça c'est un trouble... acceptable de voisinage. Non, mais il y a certains cadres, il y a certaines limites. Quand on vous dit, par exemple, le bruit, les nuisances nocturnes, c'est au-delà des 30 décibels, de 25... Je vais au bout de... Alors, effectivement, c'est une situation, oui, mais il faut savoir, en fait, qu'il n'y a pas vraiment une définition claire et précise de la chose. Dans un texte de loi. C'est pour ça qu'on dit que le trouble anormal de voisinage, pour pouvoir le caractériser, il faut prendre en compte, effectivement, les us et coutumes du lieu, la situation, les circonstances. D'accord. Prenons l'exemple, un exemple qui a quand même fait quand même grand bruit. On a, ça avait quand même créé beaucoup de. Mais par exemple, en Guadeloupe, il y avait la problématique de la voiture là, qui la prenait du pain. Et qui claquait tous les matins. D'accord, chez nous aussi. Mais il y a eu une affaire, effectivement, qui avait été médiatisée, où il y avait des plaintes qui avaient été posées. Le coq aussi. Une plainte. Pour le coq également aussi. Ouais. Mais le coq en France, il est passé autrement. Hein. Oui. On va revenir sur ça. Oui. Finissons. Mais par exemple, ça. On pourrait effectivement, tous les matins, vous avez une voiture qui roule et qui klaxonne et des choses comme ça. Ça peut être effectivement considéré comme un trouble anormal de voisinage dans certaines situations, dans certains lieux, des endroits où ce n'est pas, on va dire, traditionnel d'avoir ce type
d'activité. Ouais. Et puis, dans certaines situations, ça peut être considéré non. Enfin, voilà, c'est. D'accord. On est habitué dans le cas où c'est comme ça, ça fonctionne comme ça. Et puis, ouais. Voilà, c'est ça. C'est normal. Non, alors, on retient, pour que ce soit plus clair pour nos téléspectateurs, on retient que le trouble ne sera considéré comme anormal que si c'est le juge qui le dit. Donc, c'est ça. C'est pas nous qui allons dire que c'est un trouble anormal de voisinage. C'est à l'appréciation du juge. Mais en même temps, il faut qu'on puisse avoir quand même une. Oui, des éléments. En finalité, on va y arriver. C'est le juge qui va dire si c'est normal ou anormal. Mais en fin de compte, c'est lui qui va qualifier. Alors, oui, c'est pas qualifié. Laisse-moi aller au bout de ma pensée. Oui. Effectivement, c'est le juge qui va le qualifier. Oui. Vous ne pouvez pas qualifier dans les anormal. Oui, d'accord. Oui. Mais il faut quand même que vous puissiez juger de l'opportunité ou non d'une action en trouble. De voisinage. Voilà, d'accord. De voisinage. D'accord. Alors, et pour pouvoir l'apprécier, oui. On explique aux téléspectateurs ce nombre de points sont pris en considération pour pouvoir l'apprécier généralement. D'accord. Ces points-là sont effectivement, par exemple, si on est en situation urbaine ou rurale, les coutumes, les us et coutumes du lieu où, voilà, on parle d'accord. Du bruit par exemple. D'accord. Vous voyez ? Donc, il faut quand même avoir ces éléments-là quand même avant de tenter une action. On est d'accord. Mais en général, on fait l'action, c'est parce qu'il y a un problème, on va faire l'action si. Mais en tout cas, oui. Mais vous, les juristes, vous savez très bien à quel moment que le juge qualifie un trouble de trouble anormal au voisinage. Mais voilà, c'est ça. Donc, vous pouvez parfaitement conseiller les clients. Voilà, c'est ça. Mais un client à titre personnel, il ne peut pas tellement dire c'est que ça. C'est anormal, c'est pas normal. Il faut qu'il s'adresse à un juriste pour que le juriste lui dise. D'accord. Alors, messieurs. J'ai entendu aussi parler, j'ai vu, hein, puisque dans les notes que vous m'avez adressées, j'ai vu cette notion de principe de préoccupation. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le principe de préoccupation, il s'applique essentiellement au professionnel, à l'activité professionnelle. Il faut savoir que celui qui a une activité professionnelle, qui exerce cette activité avant l'installation du voisin, le voisin ne peut pas, comment dirais-je? Dès lors qu'il s'installe. Alors, le voisin qui s'est installé par la suite ne peut pas attaquer le professionnel pour trouble anormal de voisinage si ce dernier exerce la même activité dans les mêmes conditions qu'il exerçait avant que le voisin arrive. Voilà, que le voisin arrive. D'accord, voilà, donc c'est la personne qui occupait les lieux, qui occupait déjà le voisinage et qui avait une certaine activité. Voilà. Et moi qui arrive après, je deviens son voisin après coup, je ne peux pas lui dire il y a un trouble anormal de voisinage. Voilà. Parce qu'il a continué son activité sans l'étendre. Sans l'étendre ou sans la modifier, voilà. Dès lors qu'elle n'est pas échangée et dès lors aussi qu'elle respecte la réglementation qui lui est applicable. D'accord. Voilà. Mais c'est vraiment l'activité professionnelle. Là, on n'est pas dans l'activité domestique. C'est important de dire aux téléspectateurs qui ne pensent pas que eux, ils étaient là avant leur voisin, ils avaient leur habitude, et que le voisin s'installe après, qu'il ne peut pas aller les attaquer pour trouver un normal de voisinage. Quoi. Très bien. Alors, professeur, je reste avec vous quelques instants, parce que vous êtes mon fil rouge dans l'émission. Et est-ce qu'on peut donner une liste de ce qu'on considère comme des troubles de voisinage? Je veux une liste générale, dans les grandes lignes. Ah, oui. Oui. Alors, exemple, alors on peut donner comme ceux qui ont trait aux nuisances sonores. Donc le bruit. Le bruit. Ensuite. Alors bruit domestique. Non. D'accord. La liste. D'accord. Ouais. Le bruit. On va donner aussi les odeurs, feuilles mortes. Oui, les feuilles mortes, oui. La privation d'ensoleillement ou de vue. La privation d'ensoleillement ou de vue. D'accord, c'est l'un ou l'autre, d'accord. Là ou l'autre. La réception de la télévision. Oui. L'écoulement des eaux. Oui. Et les troubles esthétiques. D'accord. Alors, je vais bouleverser l'ordre. Donc, je reprends ce que vous avez dit pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Donc, on considère généralement comme des troubles de voisinage, enfin, les différents troubles de voisinage que l'on peut rencontrer, ce sont ceux qui sont liés au bruit, à l'odeur, vous m'avez dit, aux feuilles mortes, d'accord, à la privation d'ensoleillement ou de vue, à la réception de la télévision, c'est ça. Quoi encore? L'écoulement des eaux, et puis le trouble esthétique. Trouble esthétique. Qu'est-ce qu'on entend par le trouble esthétique? Parce que vous êtes au courant de ces notions-là, je suppose bien. Mm-hmm. Le trouble esthétique, c'est quoi ça?
C'est par exemple le stockage de manière prolongée de matériel hors d'usage. Donc vous avez quelqu'un qui va s'amuser à côté de chez vous à stocker pour une raison ou pour une autre. C'est un bricoleur. Oui. Il va stocker 2, 3, 4, 5, 6 voitures. Oui. Et puis votre belle villa ou belle petite maison, eh ben, elle sera... Elle va prendre un coup, là. Oui, ce ne sera plus le même environnement. Voilà. Ça va vous procurer une petite gêne. Donc elle est située dans une ferraille, on va dire. Ça commence à devenir un peu... D'accord. Alors, pour que ce soit plus simple et plus clair, pour que tout le monde comprenne, le fameux garagiste qui n'entrepose pas toutes les voitures dans son local parce qu'il n'a pas suffisamment de place et qu'il est mis au bord de la route, ça arrive souvent. On le voit souvent chez nous. Et là, on est sur un trouble esthétique pour le voisin qui subit ces voitures-là qui sont sur le bord de la route et qui sont abandonnées en quelque sorte. Qui seraient abandonnées, qui seraient surtout à moins de 25 mètres d'une certaine manière de son habitation. De l'habitation, donc, d'accord. Il y a une distance prévue par les textes. Oui, il y a une distance puisque un exploitant a été condamné à ne plus stocker de matériel à moins de 25 mètres de la limite séparative de deux propriétés. D'accord. Donc, jurisprudence. Oui, mais ça, c'est un arrêt. C'est un texte de loi qui le dit. Voilà. En tout cas, oui, un garagiste peut être condamné pour ça. D'accord. Donc, je peux dire que le fait d'avoir abandonné des voitures sur le bord de la route, particulièrement devant chez moi, c'est un trouble résident. Je peux demander réparation du préjudice. Mais comment ça fonctionne? Je demande comment la réparation, là. Qu'est-ce que je fais? Concrètement, qu'est-ce que je peux faire? Je vais voir un juge, je vais voir un conciliateur, un médiateur, comment fonctionne? Déjà, dans un premier temps, il faut tenter une conciliation. Il faut tenter une conciliation. Faire un petit constat par... Non, mais avant, il faut quand même aller voir le voisin. Enfin, aller voir le voisin. Il faut lui dire. Amiable. Oui, mais s'il a déjà mis 25 voitures... Non, mais il faut quand même précéder la démarche... Contentieuse. La contentieuse par une démarche amiable. D'accord. Donc, aller voir le voisin et... lui dire que ça vous crée un trou. Que ça crée un trou. Et ça dévalorise votre maison. J'arrive pratiquement. Ah ben c'est sûr, mais c'est sûr. Ah oui, ce n'est pas considérable. Ça, c'est une évaluation. D'accord. Vous avez votre belle ville là, si tu, je sais pas moi, je dois passer de lieu. Oui. Et puis à côté, il y a une dégradation de ce type ou bien une décharge sauvage ou des gens qui entreposent des. Mais tout de suite, ça... Vous voulez vendre cette maison, on parle pas des décharges sauvages, des ordures. Quand je dis décharges sauvages, je dis décharges sauvages, mais il y a des. Enfin, le terme est peut-être trop important, mais il y a des gens comme ça qui entreposent des choses, qui aiment... Machines à laver, des pièces détachées ou autres. Voilà, d'accord. Concrètement, je vais d'abord voir la personne concernée par ça, l'auteur du trou, et en lui demandant de bien vouloir enlever les voitures, par exemple. C'est ça. Exactement. C'est un garagiste. Bon, et bien entendu, il ne va pas les enlever. Donc, on fait quoi alors? Alors, on fait intervenir ce qu'on appelle un tiers. Ça peut être un organisme. On peut se rapprocher de la mairie. Un organisme, c'est-à-dire? Mais par exemple, je me rapproche de la mairie. La mairie a un service d'hygiène qui tente de le voir. Si c'est en copropriété, j'essaie de voir le syndic aussi. Oui, le syndic, oui. Voilà. De manière à... Ou éventuellement des associations. Il y a des associations, spécialisées dans la défense du consommateur ou de l'environnement. Je peux aussi me rapprocher d'elles de manière à pouvoir, dans un premier temps, essayer de voir s'il y a quelque chose qui est possible. Ouais. Alors, si ce n'est pas possible, maintenant, je passe à un degré qui est différent. Donc, avec deux possibilités. Mm-hmm. Soit j'entame une action civile. Oui, civil, c'est-à-dire. Alors, c'est une action auprès des tribunaux, d'abord une tentative de conciliation avec un conciliateur ou un médiateur. Alors, quelle différence qu'on fait entre les deux? Alors, la conciliation, il y a un conciliateur dans toutes les mairies de Martinique, elle est gratuite. Ouais. Donc, il va convoquer les deux parties, il va essayer de concilier leur point de vue. La médiation, là, on fait appel à un médiateur. Donc, c'est une. Conciliation, mais payante à partir de ce moment-là. Et si c'est une médiation, ça ne peut pas être une conciliation. Parce que si on prend les mêmes termes, on ne s'entend pas. Voilà, mais pour pouvoir bien fixer la chose, donc c'est le même type d'action, mais. Mais c'est différent. Le conciliateur n'agit pas de la même façon que le médiateur. C'est ce que vous vouliez dire, cher ami. Oui, c'est ça. La différence, je veux connaître la différence entre la médiation et la conciliation. La conciliation, il me dit que c'est quelqu'un, c'est gratuit déjà pour commencer, et c'est quelqu'un qui va tenter de trouver une solution pour les parties. On est d'accord. Concilier. Mais le médiateur, lui, c'est pas la même chose.
Le médiateur va recevoir déjà les deux parties. Oui. Voilà, chacun d'un séparément. Oui. Et puis, il va tenter de comprendre et trouver, en fait, sortir de la situation et faire une... Enfin, que chacun, que l'un et l'autre ne soient pénalisés par la situation. Donc, trouver un compromis qui soit acceptable par l'un et par l'autre. Ça, c'est le conciliateur, ça. Le conciliateur qui trouve ce qu'il cherche à l'ascension. Le médiateur, il me semble, peut-être que je suis déformé, mais le médiateur, il me semble que c'est quelqu'un qui va faire en sorte que les deux parties trouvent elles-mêmes la solution. Voilà. C'est-à-dire qu'elle les rapproche pour leur permettre de se parler et de trouver la solution elles-mêmes. Ce n'est pas la même chose que le conciliateur. Mm-hmm. Le conciliateur va faire des propositions de conciliation. Mm-hmm. Ce n'est pas le cas du médiateur, d'accord. J'insiste sur ces mots-là parce que je sais que vous avez une formation en médiation immobilière et je ne comprends pas que vous ne puissiez pas me donner la définition de manière plus exhaustive. Ce n'est pas grave. Alors, nous étions sur le préjudice esthétique, d'accord. D'accord. Les feuilles mortes. Puisque vous m'avez dit que dans les troubles de voisinage, il y a aussi les feuilles mortes. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Eh ben, les feuilles mortes, ce sont en principe la chute des feuilles d'un arbre sur un terrain voisin. Oui. Et, ça, c'est un trouble anormal de voisinage. Alors. Ça peut être. Alors, à quel moment que ça n'est pas, à quel moment ça peut l'être ? Alors, lorsque les feuilles mortes tombent sur le terrain voisin, oui. Même s'il bouche, comment dire, la gouttière. La gouttière, par exemple, ouais. On considère que c'est un trouble normal. D'accord. Donc, je ne peux pas dire pour le poursuivre pour trouble anormal de voisinage. Trouble anormal de voisinage. Même s'il bouche des gouttières, même s'il bouche des canalisations, on ne peut pas. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. D'accord. Mais à quel moment qu'on considère que c'est anormal, oui. Justement, c'est là qu'on parle tout à l'heure, on parle d'appréciation. Du juge. Du juge, c'est là qu'il va apprécier. Lorsqu'il y a vraiment. Un envahissement. Énormément de feuilles, un envahissement de feuilles qui tombe et qui bouche les gouttières, qui bouche les canalisations, oui. Là, le juge peut qualifier ça d'un trouble anormal de voisinage. Exactement. Okay. Donc, tout dépend du juge, de la qualification du juge. D'accord, donc tout dépend des circonstances. Des circonstances. Et puis du lieu. Je peux dire au juge que oui, je subis des feuilles qui tombent dans ma canalisation, ma gouttière, oui. Et vraiment, ça bouche ma gouttière. Hein. Oui. Le juge peut dire non, c'est un trouble normal de voisinage, vous devez accepter ce fait-là. Donc, c'est à vous de nettoyer votre gouttière. Voilà, c'est à vous de nettoyer la gouttière, sachant qu'il y a un arbre à côté. D'accord. On va déjà faire mort. D'accord. OK. Alors, en plus il peut dire aussi que c'est de ma faute. J'ai choisi l'endroit où je veux habiter. Il y avait des arbres. J'ai bien vu qu'il y avait des arbres. Donc, c'est pas de ma faute. D'accord. Voilà. Alors, ce qu'on peut rajouter, c'est qu'un propriétaire a été condamné à entretenir régulièrement ses arbres et à payer 1000 euros de dommages et intérêts à son voisin. Dans quel cas de figure, dans quelles circonstances ? Dans le cadre que M. Roselmack a énoncé. Il y avait des plantes envahissantes. Voilà, une chute en quantité très importante de feuilles qui avaient endommagé, sa toiture. Ah oui, donc si ça endommage ma toiture, c'est un trouble anormal de voisinage. C'est un trouble anormal de voisinage, d'accord. Ça. Si ça bouche les gouttières, non. Non, mais si ça endommage ma toiture, c'est oui. Un trouble anormal de voisinage, c'est ça. D'accord, donc il y a quand même des limites, des choses qui sont un petit peu subtiles. Donc c'est l'affaire du juge, mais on peut savoir à quel moment que le juge a considéré que c'est un trouble anormal. Parce qu'il y a une quantité importante de feuilles. D'accord, oui. D'accord. Et vous m'avez parlé de l'écoulement des eaux, trouble anormal de voisinage. Alors, normalement, effectivement, le propriétaire du terrain situé en contrebas doit recevoir les eaux de ruissellement qui s'écoulent naturellement du ou des terrains qui lui sont supérieurs. Ça, c'est prévu par le Code civil. D'accord, alors, ça c'est la théorie. Il s'agit d'un trouble anormal de voisinage. C'est un trouble normal, ça. Il s'agit d'un trouble normal de voisinage. D'accord, alors... Oui, très bien. Donc, on va quand même reprendre pour la compréhension. Donc, vous nous dites bien que lorsque je suis en contrebas, je dois subir les eaux qui viennent du haut. Mais pas n'importe quelles eaux, quand même. Non. Pas les eaux usines, ni les eaux vasines. Ce sont les eaux de pluie. Ce sont des eaux de ruissellement. Tout à l'heure, on parle de servitude. C'est une servitude d'écoulement des eaux. C'est la servitude d'écoulement des eaux. C'est ça, d'accord. Très bien. Donc, on subit les eaux de pluie. Ouais. Des fonds supérieurs, enfin des fonds au-dessus de nous. Et si. Cette servitude-là, en fait, cet écoulement ne doit pas être modifié par la main de l'homme. Ah oui, voilà. Par exemple, cet écoulement ne doit pas être détourné, par exemple. D'accord, c'est-à-dire, en clair, je fais des travaux. Vous faites des travaux, puis vous décidez de.
canalisé autrement ou sur le terrain sur d'autrui. Le terrain d'autrui. Ça, c'est non. C'est non. Donc, il faut que ce soit un écoulement naturel. D'accord. Naturel. D'accord. Il n'y a que les eaux de pluie. Les autres eaux, non. Alors. Les eaux de pluie. Non, les eaux de pluie. Les eaux de vidange. Oui. Alors. Il n'y a que les eaux de pluie et les eaux naturelles. Des, oui. Voilà, c'est les, vous avez une petite ravine ou un truc qui passe à côté, voilà, c'est ces eaux-là. Très bien, d'accord. Donc je ne peux pas dire à l'autre que... C'est-à-dire que je ne peux pas dire à l'autre, vous avez, y a les, vos eaux de pluie viennent chez moi, il faut faire des travaux pour pouvoir les empêcher de venir chez moi. Si c'est naturel, non. Je les subis. Vous subissez ça. D'accord. Et l'autre ne peut pas me dire non plus, de toute façon ce sont des eaux naturelles, vous n'avez qu'à faire des travaux pour... Non plus. Non plus. C'est d'accord. Naturel. Donc c'est en fonction de l'or que j'ai acheté, c'est à moi d'anticiper sur le fait que j'aurai des ruissellements d'eau. Voilà, exactement. C'est ça. D'accord, pour faire... Mais il y a une téléspectatrice qui m'a appelé la semaine dernière à ce sujet justement. Oui. Où elle avait cette problématique-là, où le voisin du haut avait modifié l'écoulement des eaux. Oui. Passé sur son terrain. Elle a fait des travaux également. Qui captait l'eau du voisin pour également détourner, mais le voisin d'après. Elle a eu un problème avec le voisin d'après. Exactement. Et il avait tort, bien sûr. Oui. Je lui ai expliqué ça justement, d'accord. Que du fait qu'il y a une modification de l'eau naturelle des eaux, c'est à elle de faire des travaux de canalisation pour pouvoir justement empêcher que ça impacte le voisin. Le voisin, puisqu'elle a fait des travaux sur son terrain, elle. Voilà, c'est ça. Et que normalement, logiquement, elle aurait dû faire la même démarche vis-à-vis du voisin. Qui est au-dessus, mais elle n'a pas fait. D'accord. Mais en tout ça, on est d'accord, tout ce que nous disons, c'est la loi, c'est le maximum. Les parties peuvent très bien s'entendre pour faire les choses autrement. C'est ça. Donc, il n'y a aucune contre-indication à ce que deux voisins se disent, bon, écoute, on va canaliser, moi je vais canaliser, bon, on s'entend bien sur ces questions-là. Non, vous n'êtes pas d'accord, monsieur. Enfin, oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Mais, voilà, mais c'est plus tard qu'il peut y avoir des problèmes. Voilà, c'est ça, exactement, puisque aujourd'hui, vous prenez un accord de ce type. Oui. Votre bien, effectivement, vous l'avez aujourd'hui, ça, voilà. Mais demain, vous le vendez, demain, vous décédez, vous avez une succession, vous avez d'autres propriétaires. Les accords ne sont pas bien déterminés, bien définis dès le départ. Et bien, demain, voilà, il y a une difficulté. C'est des problèmes pour les autres. D'accord. C'est des problèmes pour les autres. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même être. Soit faire des contrats réellement, ou voilà. Mais il faut quand même bien borner les choses, quoi. D'accord. Pas se dire, on fait comme ça, les accords, on est. Le droit, c'est vraiment une chose, c'est que ce sont des choses à savoir parce que il vaut mieux être dans son droit plutôt que son bon droit plutôt que dans son mauvais droit. D'accord. Alors, vous m'avez parlé, professeur, également de la réception de télévision. C'est un truc de voisinage, ça. À quel moment qu'on considère que la réception d'une chaîne de télévision est considérée comme un trouble de voisinage? Ben, si la construction d'un immeuble prive le voisin de télévision, la responsabilité du propriétaire du bâtiment peut être engagée pour trouble de voisinage. C'est-à-dire que moi, j'ai une maison, il y a quelqu'un qui vient, monsieur l'expert par exemple, monsieur Vulquin par exemple, il vient construire un immeuble de rendement à côté de ma maison, et puis bon, je ne peux plus capter les images. Voilà. Donc là, c'est un trouble anormal de voisinage. C'est un trouble anormal de voisinage, et ce constructeur, il est tenu de faire réaliser à ses frais une installation de réception ou de réémission. Pour que je puisse recevoir mes chaînes de télévision. Voilà. Donc c'est à lui de faire les travaux pour me permettre de recevoir ma chaîne de télévision. Et s'il ne fait pas les travaux, parce que vous savez, dans ces cas-là, les gens vous disent, bon, ben, moi, je construis mon immeuble au panier de télévision, tu n'as qu'à prendre trois mêmes, tu n'as qu'à faire surélever ton antenne et puis tu te débrouilles. Ça peut être ça. S'il ne fait pas, alors comment ça fonctionne? Il s'adresse au CSA. Le CSA, c'est-à-dire? Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui d'accord. chercherait une solution amiable et au besoin qui mettra en demeure le constructeur de procéder à l'installation du dispositif. D'accord. D'un alors, dispositif autrement, dit, je ne vais pas voir le juge, je ne m'engueule pas avec mon voisin, je ne vais pas voir un médiateur, je ne vais pas voir un conciliateur, j'écris au CSA. Oui. Tout simplement. Oui. Et c'est le CSA qui va tenter de trouver une solution amiable. Et le pire, il faut le souligner, c'est que le constructeur
qui ne répondrait pas dans un délai de 3 mois, oui, se verrait... En fait, qui ne répondrait pas, qui ne ferait pas les travaux. Qui ne ferait pas les travaux, voilà. Eh ben, se verrait directement poursuivi en justice par le CSA. Ah oui, je n'ai même pas besoin de prendre un avocat, voilà. C'est le CSA qui ça, c'est quand... Voilà. Donc vous entendez bien, vous avez un problème de réception de télévision à cause d'un voisin. N'allez pas faire de scandale avec lui, vous écrivez au CSA qui prendra en charge le dossier. D'accord. Voilà. Mais après, alors, d'accord, il a fait le nécessaire, il a fait les travaux pour permettre de capter ma chaîne de télévision. Mais qui c'est qui entretient ça? C'est moi qui vais entretenir le... Parce que moi, je n'avais pas ça au départ. D'accord, il a fait des travaux pour permettre la transmission ou la réémission, d'accord. Par exemple, il a mis un mât, par exemple, d'accord. Mais qui c'est qui va entretenir ça? Parce que c'est de l'argent, là, c'est prévu. Eh bien, il n'a qu'à bien se tenir. Le propriétaire de l'immeuble est tenu d'assurer à ses frais le fonctionnement, l'entretien et le renouvellement de l'installation. Donc, non seulement il faut qu'il fasse des travaux pour me permettre de capter ma télé, mais en plus, c'est lui qui entretient l'appareil. Voilà. D'accord, mais c'est affreux. Il n'a pas construit l'immeuble devant chez vous. Et là, il n'avait qu'à ne pas construire l'immeuble devant chez moi. Devant chez vous. D'accord, devant chez moi. Et là, c'est la loi. Et là, c'est la loi. C'est la loi. D'accord. Ben, ce sont des choses que j'apprends parce que je ne savais pas que. D'abord, en général, on s'arrange entre voisins dans ces cas-là. Mm-hmm. Mais bon, je ne savais pas que. En général, c'est la personne victime qui va faire les travaux pour lui permettre de capter. Mmh. Et là, non, c'est pas ça du tout, c'est le CSA. C'est intéressant ce que vous dites, professeur. Et les feuilles mortes, on en a parlé. On en a parlé, oui. Et vous m'avez parlé de la privation d'ensoleillement. Mmh. Ou de vue. Oui. Alors, je m'adresse pas particulièrement à vous, je m'adresse à tout le monde. Hein. Et comme c'est vous qui avez le fil rouge, oui. Et vous avez les notes sous les yeux, donc c'est pour ça que je me tourne vers vous d'abord. Mm. Alors, cette histoire d'ensoleillement, de privation d'ensoleillement, de vue. Ben, c'est l'édification d'un bâtiment ou la surélévation d'un immeuble qui peut priver de soleil ou de vue une construction. D'accord. Donc c'est voilà. Ça le trouble anormal de voisinage. C'est-à-dire que vous avez construit votre maison et vous avez le terrain vague devant vous. Oui. Et 5 ans après, il y a un immeuble qui vous bouche la vue. Donc vous avez vous n'avez plus le soleil du matin. C'est ça. Ou de l'après-midi en tout cas. C'est ça, exactement. D'accord. Votre vue sur la baie de Fort-de-France. Et puis votre vue sur la baie de Fort-de-France, là, est bouchée là. Il n'y a plus de vue. C'est ça. Bah, vous avez vu sur les appartements de l'autre. C'est là que je dis aux clients, venez nous voir pour ça. Parce qu'en général, on dit toujours aux clients, quand vous achetez un terrain, c'est bien de laisser le terrain, mais de toujours vérifier autour de vous. Voir si un terrain là, s'il est constructible ou pas constructible, qu'est-ce qu'on peut en faire. Ouais. Donc à ce moment-là, si vous savez qu'il y a une construction qui peut se faire, vous n'achetez pas le terrain qui est là. D'accord. Vous ne savez pas, il peut y avoir un immeuble devant vous. C'est ce qui peut arriver. Ouais. Même si vous subissez un trauma normal à ce moment-là, mais vous auriez pu éviter ça. D'accord, en n'achetant pas la parcelle. Faut quand même préciser aux téléspectateurs que dans le cas notamment de ce trouble anormal de voisinage, c'est-à-dire la privation d'ensoleillement. Privation d'ensoleillement ou même de vue, c'est très 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 difficile de faire accepter ça, ou acter ça par le juge, notamment en trouble anormal de voisinage. C'est ça, exactement. Sous ce motif-là, et puis surtout dans une zone urbanisée, on comprend bien que voilà, dans un endroit où il y a plein de constructions, par exemple, c'est quand même difficile. Vous risquez d'avoir un voilà, c'est ça. Oui. Donc ça risque de ne pas passer en zone ça urbaine. Ça ne peut pas passer. Voilà, en zone urbaine, c'est quand même assez compliqué de. Mais dans quel cas, est-ce qu'on a un arrêt dans un cas où le propriétaire a été condamné parce qu'il était privé d'ensoleillement, enfin le voisin lui a privé. Le voisin était condamné parce qu'il avait privé un propriétaire d'un terrain. Il y a un cas où il y avait effectivement une villa et qui avait un espace commun avec une autre construction. Oui. Et la construction a été surélevée. Dans ce cadre-là, il a été condamné pour une privation d'ensoleillement. D'accord. Okay. Donc ça arrive, c'est possible, mais c'est vraiment cas par cas et c'est quand même assez complexe, difficile de le faire. Je pense qu'il faut anticiper. Quand justement le voisin obtient un permis de construire
pour un immeuble ou l'édification d'un immeuble en face d'une résidence. Moi, je pense que les propriétaires de la résidence, parce qu'il y a, des moyens qui existent à disposition des voisins, je pense notamment au recours des tiers. Au panneau d'affichage. Pour le panneau d'affichage. Quand il y a une construction, c'est-à-dire que le voisin qui voit un panneau, qui sait qu'il y a une construction qui sera édifiée, puisqu'il voit peut le panneau. Aller, il y a le panneau d'affichage, peut aller consulter la mairie. C'est ça. Aller à la mairie, où a été accordé le permis pour savoir ce qui sera fait. Et si effectivement il estime qu'il va subir un trouble de voisinage, la loi lui permet de faire un recours des tiers. Parce qu'effectivement, il sera gêné par justement la construction un recours contre le permis. Contre le permis. D'accord. C'est-à-dire que le titulaire du permis qui doit construire un immeuble devant une maison, doit afficher son permis pendant 2 mois. Oui. Et le voisin doit normalement faire son recours à l'issue de ces deux mois. D'accord. Ok. Oui, donc ça sert à ça, l'affichage, c'est pour préserver le droit des tiers et informer les voisins de ce qui va se passer devant chez eux, autour de chez eux. Oui, mais en réalité, je suis d'accord avec ça. Mais en vrai, celui qui a obtenu le permis de construire, s'il a respecté les règles d'urbanisme, s'il a respecté les contraintes en matière de hauteur ou autre, je vois mal sur quel fondement on pourrait lui faire annuler son permis de construire, l'empêcher de construire. On est en zone urbanisée, on peut construire à 4 mètres. Vous avez construit... C'est au voisin, justement, parce qu'il a un intérêt à agir. Donc, il prouve, justement, qu'il est troublé. Ouais. Donc, il prouve, justement, que cette construction-là va lui boucher la vue. Juge va lui donner difficilement raison. En zone urbaine. Mais là, on parle de recours de tir. Donc, on est dans une démarche toute administrative où on est là pour faire annuler un permis de construire. D'accord. Un trouble anormal de voisinage n'est pas une raison qui permet d'annuler un permis de construire. On est d'accord. Si la personne qui a, parce qu'il faut être quand même assez clair pour les téléspectateurs, parce qu'ils vont penser que ils ont une maison, un immeuble qui va se construire à côté de chez eux, qui bouche la vue. Qui va boucher la vue. Oui. Souvent, ça arrive. Oui. Surtout en zone urbanisée, voilà. Ils vont faire un recours des tiers. Ils pensent que ça leur a causé un trouble. Ils vont obtenir l'annulation du permis de construire. Non. Celui qui a construit, s'il a respecté la réglementation, le PLU, tout, voilà. S'il a eu le permis, c'est qu'il a respecté en général. Justement, c'est ça. Mais il peut avoir eu le permis de construire. De construire qui n'a pas respecté les dispositions urbaines, vous allez faire annuler le permis de construire. Oui, c'est ça. D'accord. Et effectivement, la remarque est quand même assez intéressante parce que celui qui, effectivement, qui a une construction en face de chez lui, qui pourrait effectivement lui créer un trouble, Il peut faire cette démarche-là. L'argument, ce ne sera pas j'ai un trouble de voisinage, je n'ai pas vu. Ce ne sera pas ça l'argument. Ce sera autre chose. Ce sera le permis est illégal. Exactement. On en parle dans un instant, puisque c'est dans votre programme. Oui, d'accord, mais on va revenir dessus. Oui. D'accord. Alors, vous m'avez parlé également. On aurait pu souligner aussi la nuance qui est apportée au niveau des panneaux publicitaires. Concernant la perte d'ensoleillement. D'accord. Donc, parce qu'il y a un publicitaire dont la responsabilité a été engagée sur ce fait-là. Ouais. Et en revanche, la responsabilité de l'administration ne peut être engagée que si le panneau est qualifié d'ouvrage public à raison de son utilisation dans l'intérêt général. D'accord. Donc, soyons clairs. On ne peut pas engager la responsabilité de l'administration si le panneau publicitaire est utilisé dans un but qui est d'intérêt général. D'accord, mais non, revenons, soyons plus précis. Parce que là, on est parti de l'ouvrage public, alors on était sur du privé. D'accord. Alors, j'ai un panneau publicitaire qui me bouche ma vue. Oui. Ou qui me crée, qui bouche mon ensoleillement. Est-ce que le
le publiciste, on va dire, la bonne expression, est-ce qu'il peut être condamné pour trouble anormal de voisinage? C'est ça la première question. Oui. D'accord. Il ne le sera pas si le panneau est considéré comme un ouvrage public. Voilà. Donc, c'est deux choses différentes. D'accord. Donc, c'est intéressant, cette histoire de panneau publicitaire, parce qu'il arrive quelquefois que du panneau publicitaire bouche la vue. Bouche la vue. Donc, on peut très bien agir en trouble anormal de voisinage dans un cas comme celui-là. Très bien. Alors, vous, je ne sais pas, professeur, si vous avez, sur cette question de panneau publicitaire, on est bon. Très bien. Je voulais revenir avec vous sur les odeurs. Trouble anormal de voisinage. À quel moment qu'on considère que les odeurs constituent... C'est tellement, ça me paraît tellement évident de le dire. Même pas tellement évident que j'ai du mal à poser la question. À quel moment qu'on considère que les odeurs constituent des troubles anormaux de voisinage? Alors, elles constituent... alors, à partir du moment où elles excèdent les inconvénients normaux de voisinage, par exemple les odeurs de cuisine d'un restaurant. La cuisine d'un restaurant, d'accord. Situées en rez-de-chaussée qui sont perceptibles... Aux étages. D'accord, là, ça peut être considéré comme un trouble de voisinage. Voilà. Alors, si on arrive à démontrer quand même un certain nombre de dysfonctionnements. Dysfonctionnements. Du moment qu'on a une hygiène au niveau olfatif, au niveau des odeurs, on peut considérer que c'est un trouble de voisinage, un trouble anormal de voisinage. D'accord. Donc à ce moment-là, on peut donc c'est le cas du fameux restaurant. Par exemple, le restaurateur. Alors, qui a pas moins la dans le cas qui vous concerne, on avait reproché quoi au restaurateur? Alors qu'il y avait que les filtres de la hotte étaient insuffisants et qu'ils étaient mal entretenus et que la ventilation était faite à l'envers. D'accord, donc finalement toutes les odeurs remontaient aux étages et c'est un trouble anormal de voisinage. Est-ce que dans ce cas-là, le juge peut interdire l'activité de restaurant? Il peut demander de faire d'effectuer les travaux. Il peut suspendre l'activité jusqu'à ce que les travaux soient réalisés. D'accord, très bien. D'accord. Alors, en dehors du restaurant, on a quoi avec les cochons, là? Les élevages d'animaux, oui, effectivement. D'accord. Les cochons, ça pue, ça, quand même. Les lisiers qui sentent... Le problème, c'est que les cochons, ça pue toujours, les cochons. Donc, c'est pas un trouble anormal de voisinage. C'est pas un trouble anormal de voisinage dans des conditions bien spécifiques. Oui. Voilà. C'est-à-dire? C'est-à-dire lorsque... Bon, c'est ça qui est le plus important, c'est les conditions spécifiques. Alors, lorsque ils ont été autorisés par l'administration, par exemple, on a des conditions spécifiques, donc ce n'est pas un trouble anormal de voisinage. D'accord. Donc l'activité ne peut pas être considérée comme... On ne peut pas agir en trouble anormal de voisinage parce que ça a été autorisé. Parce que ça a été légalement autorisé. Exactement. D'accord. Mais on avait dit au départ que le trouble est anormal, pourrait être anormal si le professionnel change d'activité. Même pas change d'activité, c'est-à-dire augmente son activité. Par exemple, si j'avais un élevage de 30 cochons et puis je passe à 300 cochons, je suis dans un trouble anormal de voisinage ou pas, il y a un arrêt dessus, professeur? Alors, concernant ce cochon, effectivement... Ces cochons. Il y a un arrêt de la cour d'appel de Montpellier, effectivement. Les odeurs dégagées par un élevage porcin sont d'une particulière intensité. Il y a aussi le fait qu'une écurie ne respecte pas les réglementations sanitaires. On le voit souvent, le parquage de chevaux. On a eu un certain nombre d'arrêts qui ont été pris. Et voilà. Donc, on voit quand même dans ce cadre-là que le juge conserve un pouvoir qui est d'ordonner temporairement, jusqu'à l'achèvement des travaux nécessaires, à la suppression de ces odeurs. Il peut ordonner temporairement une cessation d'activité. D'accord. Temporairement. D'accord. Ok. Voilà. D'accord. On a fait le tour sur les odeurs. Alors il reste encore le barbecue. Ah oui, le barbecue. Intéressant, le barbecue, mine de rien. Alors. Voilà. Donc l'utilisation d'un barbecue ne constitue pas un trouble anormal de voisinage lorsqu'il reste occasionnel.
très bien. Donc, voilà. Pas tous les jours. Voilà. Et effectivement, les désagréments causés par la fumée, les odeurs de viande et poissons grillés, alors, sont épisodiques et dépendent pour l'essentiel des conditions météorologiques. Alors, on l'a vu hein, en consultation, notamment des gens venir nous voir parce qu'ils ne supportaient pas, par exemple, l'odeur du hareng sort. Oui. Et c'est vrai que ce caractère professionnel peut engendrer des troubles au niveau du voisinage et ce qu'il faut préciser voilà. Aussi, je dois faire attention. Effectivement, c'est pas un trouble anormal, mais le cahier des charges de lotissement ou le règlement de copropriété ouais. Peuvent encadrer l'utilisation du barbecue. Du barbecue. Oui, oui. Même la mairie aussi. La mairie aussi peut ouais. Le faire. D'accord. Donc le barbecue, alors restons sur le barbecue un petit instant. Donc si c'est une utilisation occasionnelle, oui. Je ne peux pas poursuivre celui qui utilise c'est le barbecue ça. Pour trouble anormal le voisinage. Voilà. Une fois par semaine. Il faut que je fasse attention. Si je suis, il faut vérifier si je ne suis pas en copropriété, si je ne suis pas voilà. Dans le lotissement. Exactement. Dans le règlement, le cahier de charges. Voilà. Ou éventuellement, si la mairie n'a pas pris un arrêté. Pas pris l'arrêté, exactement, c'est ça. Interdisant la pratique du barbecue. Les barbecues partout et, oui, et tous les jours. Tous les jours. D'accord. Alors, il faut noter que ce barbecue ne doit pas causer de dommages à la propriété voisine, par exemple, un noircissement. Donc je peux l'utiliser de manière occasionnelle, mais il faut que je fasse attention à mes fumées. Et il ne doit pas projeter non plus de cendres. D'accord, donc il ne faut pas que ça cause ça noircit les murs du voisin. Voilà. Ou créer un début d'incendie. Oui, en sens, c'est encore pire. Sang, ouais, d'accord. Là, on est vraiment dans un trouble anormal de voisinage parce qu'il y a un risque, on en compte un X. Alors, je voulais arriver, il nous reste 10 minutes à peu près. Je voulais la notion de trouble anormal de voisinage a un intérêt quand même assez important quand même. Parce qu'on a parlé du risque d'incendie. Là, on n'est pas dans le cadre d'un trouble anormal de voisinage. Oui. Là, on est dans le cadre d'un préjudice subi et d'une faute d'une personne. Alors que le trouble anormal de voisinage ne nécessite pas forcément la faute de celui Cause le trouble. Qui cause le trouble. D'accord. Alors que normalement, dans les cas classiques en fait, de responsabilité, il faut qu'il y ait une faute. D'accord. Donc la notion de risque est prise en compte. Voilà, c'est ça. Exactement. C'est ce que disait notre collègue quand elle disait que. Exactement. Je ne sais plus ce que vous disiez au début, mais il y avait une phrase qui m'avait beaucoup interpellée à propos du risque. Je ne sais plus. Je ne m'en rappelle plus. Mais bon, ça reviendra, ce n'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent tous les jours. un mot sous le bruit. À quel moment qu'on considère qu'un bruit est un trouble anormal de voisinage? Le bruit, il y en a partout. Hein. Alors, il y a plusieurs conditions. Il faut se référer à l'intensité du bruit, à la fréquence du bruit, le caractère répétitif du bruit. Et puis, moi, je dirais essentiellement, c'est ça. D'accord. Oui. J'ai vu qu'il y a des bruits domestiques et puis il y a des bruits professionnels. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut avoir des exemples je vois si j'ai vu ça dans les notes qu'on m'avait données. Hein. Oui. Ah, les deux salons. Est-ce que je peux avoir des exemples de bruits domestiques? Oui, les cris des animaux. D'accord, ça peut être considéré comme un trouble anormal de voisinage. Voilà, les aboiements. Quel type d'animaux Les chiens. Les chiens. Qui aboient parce qu'ils ont peur. Oui. Et ou bien parce que leur maître n'est pas là. J'ai vécu dans une maison à côté d'un voisin qui avait un beau chien, un très très beau chien, mais un gros chien. Et à chaque fois que ses maîtres partaient, il se trouvait tout seul dans la maison, il pleurait. Il n'arrêtait pas d'aboyer, un aboiement, enfin, il était en souffrance. En fait. Il a besoin d'un psychologue pour chien, peut-être. Il avait besoin d'un psychologue pour chien, mais ce n'est pas le sujet du débat. Alors, à part les aboiements de chien, les cris des animaux, on va dire. Ben, la télévision. Ou les appareils de musique. Alors la télévision, comment la télévision peut Les gens qui mettent la télé à fond ou la jeunesse a besoin de temps en temps d'être enveloppée de musique. Donc, J'aime bien l'expression. Il faut lui acheter un casque. Hein, dans ce cas-là, ça sera bien. Et ça peut être un trouble anormal de voisinage qui peut être sanctionné par le juge. Alors. Voilà. D'accord. Parce que l'intensité, c'est une intensité trop importante. Oui. D'accord. Alors. Oui, c'est que... Je pense que c'est un trouble anormal de voisinage. Oui, alors. Mais non. Non, d'accord. Oui, c'est celui qui, à partir de certaines heures, de personnes qui s'exprimeraient, etc. Quoi. D'accord. Attendez, je ne vous ai pas suivi. Je suis désolé, je ne vous ai pas suivi. Alors. Pourquoi c'est alors, moi en parlant des heures, je rebondis. En parlant des heures, j'ai souvent entendu dire les gens disent souvent
Oui, de toute façon, il n'est pas encore 22 heures. C'est non, à 22 heures que j'ai plus le droit. Non, c'est faux, ça. C'est d'accord. Faux. Je voulais vous l'entendre dire. Peu importe l'heure, s'il y a un trouble anormal de voisinage, c'est un trouble anormal. Quoi. Que ce soit le jour ou le soir. D'accord. En fait, les gens font souvent la différence, pas la différence, ils confondent souvent la notion de tapage nocturne, oui. Qui est un cadre spécifique, et la notion de trouble anormal. De trouble anormal de voisinage, et notamment du bruit qui est à toute heure, voilà, normalement, voilà, on ne doit pas. D'accord. Alors, les bruits domestiques ? Alors, on a réussi à avoir les outils de bricolage ou de jardinage. Oui, comment on a réussi à avoir ? Non, parce que j'en ai un quand même qui est quand même un peu extraordinaire. Oui. Les appareils électroménagers, oui. Mais aussi des gens qui jouent aux boules dans un appartement. Oui, mais sérieux, les enfants jouent au ballon dans les appartements. Oui, ça arrive. Boules de pétanque, j'ai l'impression que là, c'était des boules de pétanque. Alors, et aussi, également, les fêtes familiales. Ah ben oui, ça arrive tout le temps, ça. C'est tout le temps. Les fêtes familiales, c'est assez bruyant. D'accord. Alors, deux petites minutes. Domino. Oui, les dominos, c'est pas ça. On va mettre ça, voilà. Vous jouez encore domino? Ah, ben ça, bon, compte ça. Quand les voisins sont fans de domino, ça peut être compliqué. Hein. Il faut acheter un tapis. Ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. Je n'ose même pas parler, moi. Alors, la question qui se pose, c'est comment je fais pour constater, qui constate que c'est un trouble anormal? Le bruit, je parle des bruits domestiques, on est bien d'accord. Hein. Comment je fais pour constater? Parce que si j'arrive devant un juge, il faut que je porte des preuves, on est d'accord. Donc comment ça se constate, les bruits anormaux, le voisinage, concernant les bruits domestiques? Oui, il faut constater un huissier. Un constat huissier, oui. D'accord. Si effectivement, il y a possibilité, parce que ça dépend des bruits. Des jours, et puis si c'est intermittent, c'est-à-dire si c'est la nuit, l'huissier ne va pas venir à 2h du matin. Voilà, c'est ça. Constater qu'elle ne dort pas, que j'entends des bruits anormaux. Ça peut être... ça peut être également des témoignages, hein. Oui, des témoignages là, des voisins également qui ont subi simplement la police et les gendarmeries, hein, simplement. Oui, ça peut être la police, ça peut être la gendarmerie. La gendarmerie, la police va se déplacer. Ou les agents communaux qui sont assermentés pour ça. Assermentés. Est-ce que le plus simple, ce ne sont pas les témoignages? Oui, les témoignages. Il faut d'apprendre les témoignages du voisin. S'il subit la même chose, il y a plusieurs personnes effectivement dans l'immeuble qui subissent les mêmes nuisances. Les mêmes nuisances, la musique forte par exemple. Très bien. Oui, tout le monde le sait, tout le monde le ressent. Juste un petit mot Parlons maintenant des bruits liés aux activités professionnelles, aux activités artistiques, aux activités culturelles. Ce sont les bruits qui... Oui. Quelques exemples que je voudrais. Ceux d'une discothèque. Une discothèque, oui. D'un restaurant. En général, les discothèques, il y a... C'est une sonorisation? Oui. Non, non. Mais parfois non. Parfois non. Je ne peux pas en parler. Vous pouvez en témoigner. Oui, je peux en témoigner. Oui. D'accord. Vous avez eu des clients qui se sont plaints de... Oui, je suppose que ce sont vos clients qui se sont plaints. C'est pas vous? Non. D'accord. C'est moi qui me suis plaint. Ah, c'est vous? D'accord. D'accord. Moi, je dis moi. La résidence. Oui, je pense à la résidence. Oui. Donc, vous avez une discothèque à côté. Oui. C'est pas une discothèque, c'est un restaurant, mais qui devient discothèque. Oui. Dans une certaine... Ah oui, ça arrive souvent, ça, par contre. C'est infernal, quoi. Oui. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on a un autre exemple à part les discothèques Les ateliers, un atelier artisanal ou un cinéma. D'accord. Et les salles de culte, il n'y a pas de souci? Alors, les salles de culte... Parce qu'il y a des gens qui sont très fervents et qui chantent des louanges. Mais oui, ça peut être effectivement un trouble anormal de voisinage. Non, ce n'est pas un trouble anormal de voisinage, professeur. Non. N'ai pas... Oui, ça peut l'être. Oui, ça peut l'être. Non, le professeur n'a pas bien lu ses notes. Ça peut être. Ça peut être. Il y trouve la salle de culte. Oui, je voulais que vous lisiez pour nous ce qu'il en dit. Alors moi, tac. D'accord, on va lui laisser le temps d'arriver sur la salle de culte. La question que je me pose, c'est concernant les bruits liés à une activité professionnelle, sportive ou culturelle. Oui. On a dit que pour les bruits domestiques, les témoignages vont suffire, d'accord, bien qu'on soit huissier. Et pour ces bruits-là, est-ce qu'il faut un appareil qui mesure l'intensité du bruit? On n'est pas sur la même enseigne là, on est vraiment sur des bruits... professionnel, donc il faut un appareil pour pouvoir mesurer l'intensité du bruit. L'intensité du bruit, c'est-à-dire en décibels. En décibels, ce qu'on appelle une mesure en décibels. Ouais. Et en fonction de certain nombre de décibels, Vu que ce sont des décibels pondérés. Oui, c'est un peu ça, pondéré. C'est-à-dire qu'on c'est est sur l'intensité, la fréquence. La fréquence, l'intensité. D'accord, et puis la manière dont l'oreille perçoit le son.
Très bien. Alors, oui. un certain nombre de décibels, on considère qu'il y a un trouble anormal de voisinage. Je ne sais pas, je crois que c'est 35, 25, non, 30, je crois. 30 à l'extérieur et 25 à l'intérieur. D'accord. Donc, si l'appareil de mesure me dit que c'est plus de 25 à l'intérieur, c'est un trouble anormal de voisinage. C'est un constat objectif. C'est ça. Si c'est à l'extérieur, si c'est plus de 30 décibels pondérés, trouble aussi anormal de voisinage. C'est ça. On est d'accord. Vous n'avez pas trouvé, mais ça. Non, j'ai pas trouvé concernant les cultes, oui. Alors... la liberté de culte, mais ça c'était plus spécifique aux cloches des églises. Oui, mais les cloches des églises, c'est autorisé. C'est autorisé. Voilà. Au curé de sonner son tocsin là. Voilà. C'est pas un bruit anormal de voisinage. Alors oui, on parle de cloches des églises, mais on peut parler de sonneries religieuses. Le maire est tenu de concilier l'exercice de son pouvoir avec le respect de la liberté de culte. Oui, il ne peut pas interdire, Et effectivement, concernant les chants, je n'ai pas trouvé dans mes notes... Le culte, d'accord, voilà. C'est pas grave, je sais qu'elles sont dans vos notes. Oui, je vais chercher. Parce que je les ai vues, parce que vous me les avez envoyées. Et bon, ça peut arriver, ce sont des choses qui arrivent. Oui. On va faire un tour de table parce qu'il il nous reste 5 minutes. Bah, justement, en fait, 2 petites minutes, parce que je pense que c'est important. On n'en a pas parlé, on a juste fait l'éboche. Effleuré, c'est sur la contestation des constructions. Ah oui, ça c'est la partie qu'on n'a pas abordée. On n'a pas abordé, je pense qu'on est... Je pense qu'on va le faire en troisième fois sous les troubles voisins, on va aborder la question. On va pas dire qu'on se fait en sorte plus générale et on va parler de ça aussi. Oui, c'est-à-dire les recours contre les permis illégaux, contre les constructions qui nous créent des dommages à côté. Entièrement d'accord. On retient et puis on va programmer ça pour une autre fois. Un mot, un dernier mot avant la fin. Alors moi, je veux dire aux téléspectateurs de nous suivre sur Facebook en tapant Maison de l'expertise immobilière. Oui. Donc vous allez voir, il y a un logo. Enfin, pas un logo, mais vous allez voir la Maison de l'expertise qui est rouge. Et en fait, en nous suivant sur Facebook, vous aurez toute notre actualité. Vous saurez effectivement. Bon, les émissions, effectivement, sont retranscrites avec Zouk TV. Donc il y a un lien. Oui. Et puis vous saurez également, en fait, nos futures interventions. Oui. Comme on avait dit dernière fois, on avait prévu de venir voir les spectateurs en Guadeloupe, Martinique, faire un peu une tournée des personnes. Voilà. Bon, avec le Covid, on attend toujours un peu quand même que les restrictions soient, bien sûr, soient levées. Oui. Mais on va. Suivez notre actualité, vous aurez des vidéos, même suite aux émissions. On va poster également des vidéos où on va peut-être expliquer certaines notions qu'on n'a pas pu dire lors de notre entretien, lors de notre émission habituelle. Donc, Maison de l'expertise immobilière sur Facebook. Sur Facebook, d'accord. Voilà. Eh bien, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis à très bientôt. Bonne soirée. À bientôt, bonne soirée.